Ok, ça me va. Je vais lancer le live sur TikTok aussi. Ok. Et je vais essayer. Je vais vous mettre l'inspi que j'ai sur le Discord dans, pour ce qu'on va faire aujourd'hui. Enfin, ce qu'on va essayer de faire aujourd'hui et qui nous prendra sûrement plus d'une journée. Je vais le mettre dans le Discord, dans ACNH. Dans ACNH Galerie. Hop. Je vous mets l'inspi que je veux faire. Sur mon île. En gros, je vais essayer de faire une sorte de lac et de faire un îlot central qui sera surélevé avec des rampes et tout. Et avoir plusieurs étages pour ma maison. C'est un truc que j'ai jamais fait et je trouve ça vachement sympa. Donc écoutez, voilà. Oh, il y a Axou, l'amour de la vie de Roulia, apparemment. Salut, vite vu, comment tu vas? Ah tiens, je vais épingler ça. Bien dit, bien dit. Hop les. Merci pour le point d'exclamation Mirabelle. En fait, son message s'est fait supprimer, mais t'inquiète. Je vous ai mis sur le Discord si jamais. Il fait tellement pas beau que j'ai fermé les volets. Ah ouais, carrément, à 16h40. Non, en vrai, je compatis, je comprends. Bon, on va vite fait aller voir quand même mes petites fleurs. Là, hier soir, on avait fait ça. J'ai un petit peu time travel pour avoir des hybrides, mais j'ai pas l'impression que ça fonctionne vraiment des masses. Je vais juste les réarroser. C'est mon petit coin hybride. Sur cette île, il n'y aura absolument que des jacinthe uniquement comme type de fleurs parce que c'est mes fleurs préférées et que c'est les seules fleurs qui sont dans la vibe de ce que je veux donner pour cette île. Donc voilà. Allô, à l'huile, à la mer. J'ai rien dit, wesh, calmez-vous. J'avoue, pourquoi? Allô, vous-même en fait. Ça va Axou, tu vas bien? Salut Tess, ça va et toi? Et salut Lily, comment ça va? Et salut Chloé, merci pour le follow sur TikTok. J'espère que vous allez bien. On se tape des barres, en effet, hein, je vois ça. T'inquiète, ils sont zinzin. Et ben voilà. C'est tout ce que j'avais à dire. Bon, ici, on a des fleurs blanches aussi. J'en ai quelques-unes, j'en ai pas mal mis sur la plage. J'ai un peu fait le tri hier soir en jouant de mon côté. Coucou, Tess, notre star. Et merci, Rom, pour le follow. Salut, Marie, je joue sur la Switch. Tu peux pas jouer sur l'ordi sur Animal Crossing? C'est un jeu de Switch. Salut, Voli, t'es rentrée? Ça a été ta journée. Bon alors du coup, j'aimerais beaucoup qu'on utilise cet endroit là. Du coup on va ratiboiser cet endroit. Pour ça, est-ce qu'on prend les fruits et on les mange? Allez. Oui très bien, et bah tant mieux écoute. Tant mieux, tant mieux. C'est s'élever. Je pensais que tu pouvais... Bah non, c'est un jeu Switch. C'est un jeu sur console, qui est sorti uniquement sur console là, Animal Crossing. C'est Voli à hater number one de l'Italie. Terrible ce message. Content d'être en week-end. Bah écoute, je suis pas en week-end, mais ouais. Je suis jamais en week-end. En fait, je suis en train de capter, j'ai jamais vraiment de week-end. Puisque je stream tous les jours. Je fais des trucs tous les jours. Non mais t'inquiète Marie, t'excuses pas, y'a pas de soucis. Hein. Y'a pas de soucis. Re-jolie. Je vais récupérer tout ça. Ah mais il faut que j'achète le... la falaise et le... Étape par étape, il faut que j'achète la falaise et que j'achète la rivière. Mes autres îles, c'est Akomoun et Lubi. Et merci Jicanari pour le à boire. Je mets mes lunettes sponso. Tiens, j'aurais pas dû voir ton message, Voli. Du coup, je m'y attends. Terrible. Ok, on va manger tout ça. On va manger beaucoup d'oranges. Mon perso, il va clairement attraper la chiasse, hein, faut le dire. Dis-moi, patronne, je cherche un stream deck. Tu aurais pas un lien à me proposer? Oh, Voli, c'est marrant que tu... Attendez, jeu d'acteur en français, ok? C'est marrant, Voli, que tu me poses la question puisque je suis très récemment passée partenaire avec Elgato. Vous pouvez accéder directement au site web d'Elgato grâce au lien que j'ai mis dans le chat. Et si vous passez commande, n'hésitez pas à mettre votre magnifique code promo ZZKOAN. Qui vous fera avoir moins 5%. Voilà. Waouh, je vais voir ça de suite. Merci, Voli. Voilà, pour ceux qui auraient loupé l'information. Mais j'ai vu que j'étais étonnée ce matin, parce qu'en gros, je vous explique, c'est une sponsor du coup au mois, et c'est une sponsor où je suis rémunérée. Et j'avais pas encore donné mes informations de paiement, etc. Donc ce matin, je me mets sur le site et je regarde un petit peu. Jeu de français en acteur, exactement. Jeu de français en acteur, exactement.
Et j'ai vu qu'il y avait genre une ou deux personnes, je crois, qui ont passé commande avec mon code et tout. Donc c'est archi cool. C'est archi cool. Ah, je peux plus manger plus là. Putain, j'avais une giga chiasse là avec les 10 oranges que j'ai mangées. C'est quand même énorme, hein. On peut se mentir, c'est quand même beaucoup. Merci Arashibi pour ton follow. Et salut Nayu, comment tu vas? En plus, il y a des promos sur Stream Deck. Ah, c'est vrai? Incroyable ça. Bah, profitez-en, hein. Mais après, je sais pas si les codes promo sont cumulables. À voir, ça, à tester. Attends, après, c'est pas deux codes promo, c'est genre juste une réduction plus un code promo, donc peut-être que si. Premier degré, je vais en prendre un. Et bah, franchement, n'hésite surtout pas à passer par mon code. Du coup, oui, le truc que j'ai pas mentionné aussi, c'est que je touche 5% sur vos commandes. Donc, en gros, c'est un code, enfin, c'est un lien affilié que dès que vous passez commande via mon lien, moi, je touche 5% de, de la somme que vous avez payée, en gros, en commission. Ça, c'est super cool, en vrai. Ça représente pas grand-chose hein, quand tu fais des toutes petites commandes, mais en vrai, 5€ si tu prends un Stream Deck, je sais pas, genre à 100€, ça me fait... Enfin, 5%, ça me fait 5€, tu vois, par exemple. Donc, c'est grave cool, en vrai. C'est grave cool. Salut, Raymond, comment tu vas? Oh, franchement, ça va, Molly, en vrai. C'est lequel? C'est le MK2 qui est en promo? Ça, c'est bien, ça. Mais moi je vois encore ni Coca-Cola, c'est terrible sur mon chat, c'est pas actualisé là. J'allais dire chasse sur nous, mais non, du coup j'ai pas trop envie. Ah non, vraiment pas. Le MK2 en blanc. Oh, Slay. Tu veux faire un setup blanc et noir, Voli? Salut Gatien, salut Léa, comment vous allez? Comment ça va? Merci Océane pour ton follow. Le salon Egast qui me reste sur le ventre? C'est quoi ça, Tess? J'ai pas compris. Et merci pour vos follow sur TikTok, merci beaucoup. J'espère que vous allez bien. Cassien, mais pourquoi t'as mis cet emoji, Axou, là? Axou, d'ailleurs, c'est quand que tu changes de pseudo? C'est dans une semaine? Deux semaines? Trois semaines? Non, moins quand même, non? Bonjour, Marfin! Comment ça va? On l'appelle toujours comme ça. Ah ouais? Vous êtes des zinzins. Dans 20 jours! Oh la vache, c'est dans longtemps, ouais. Oh, purée, il y a beaucoup de sous ici par terre. Gatien. Arrêtez le pauvre. Donc quoi, il s'embarque encore? Chipeps. Bon alors, on a quoi là-dedans? Ok. Gatien avec un G. Oh my god. Terrible, Gatien, tu t'es embarqué dans un truc, je pensais que t'étais pas prêt. Hein. C'est quoi ce chat de star par pitié? Mais je sais pas, Roulia, franchement, j'arrive plus à les regarder en face, là. Je me sens... starisé là. Mais vous savez pourquoi? Je sais pourquoi. Parce que vous êtes so coquette. C'est pour ça. Faut pas chercher plus loin. Écoutez, ça va être vraiment mon nouveau truc de vous dire tout le temps que vous êtes so coquette. Genre vraiment, je peux pas me passer de cette phrase en une seule journée, c'est trop. Il faut que, je vous dise que vous êtes so coquette. Exactement, Flo-Flo, c'est exactement ces emojis que je veux voir quand je vous dis que vous êtes so coquette. Je vais mourir. So croquette? Ah non, pas so croquette, so coquette. Si quéquette, ah ouais, Nico, purée, je savais pas que vous étiez si quéquette. So coquette. Ah mais vraiment, j'adore. Et il faut mettre... Attendez, je crois que j'ai les modes de Clarilia. Voilà, les modes coquettes. Vous êtes so coquette. C'est le petit hamster. Oh putain, je vais mourir. Il me fait mourir de rire. Il est trop mignon, regardez-le. Pitié, il faut une émote coquette. Ah, je vois pas la moitié des emojis que t'as mis, map. Je vois les, la ballerine, le gâteau, le petit nœud et le gâteau. Je vois pas le reste. Je peux me voir ce hamster sur TikTok avec la chanson. Oh, mais j'adore, moi. J'adore. Vraiment, attendez, moi, je vous montre. J'ai vu un truc, ça m'a fait trop penser. Riposte, c'est bien ZZ-Cohen, ton code. Ça me dit que c'est un code... Que c'est de saisir un code valide. Bah ouais, c'est bien ça, mon code. Essaye d'enlever le ZZ tiré. Votre short a été remixé. Mais elle a, 8 ans. Ah bon? Le chant, ça va pas le faire. Qui a remixé? Je sais pas, il y a une petite sur YouTube qui a remixé mon short. Mais c'est juste le son, c'est pas ma vidéo.
Qui a mis le short de Cohen au mixeur? Mais bonne question. Bah attends, Voli, je vais demander parce que... Après, là, le problème, c'est qu'elle est pas disponible pour l'instant. Mais Yamina m'avait dit que c'était de son côté, enfin de leur côté, Elgato. Je vais redemander Voli. Je sais pas si tu as eu des nouvelles. Je vais lui mettre les mots de coquette. Non, je peux lui mettre les mots de coquette. Je vais lui mettre les mots interrogation. Les émotes. Bah, quoi, Lolo? Si j'ai une remise sur ma remise, je suis heureux. En effet, je te redis vite, Voli. Salut Aka, comment ça va? Salut Oribibi. Mais qui a fait ça? TikTok date de 2021, wesh. Air Jurassic. Ah, c'est vrai qu'il est très vieux, le TikTok. Par contre, je voulais vous montrer. C'est ça que je voulais vous montrer, le TikTok que j'avais. Enfin, le TikTok, le réel que j'avais envoyé à Clarilia. Ah oui? J'avais vu ça, regardez. C'est à mourir de rire. Des crevettes qui étaient en train de cuire et la musique. Elles sont en mode so coquette. Les crevettes. J'étais vraiment. Et j'avais vu ça aussi. New driver, please be nice. Avec le gros so coquette. Les bagues. Ah oui, ça c'est fou rire, Linux. Aïe. Ah, ça aussi fou rire. Pitié, c'est drôle. Ah, j'adore, moi, j'adore. Salut, Juju. Allez, il fallait qu'on achète les deux trucs du remodel. J'ai cru que c'était des pâtes aussi. Mais non, c'est des crevettes avec les gros yeux, là. Mais elles sont so coquettes, les crevettes. J'ai mourir. Oh my god. Alors, tu me disais quoi, Tess, excuse-moi. Ça fait quoi de manger des fruits? Bon, en fait, les fruits, quand tu les manges, ça te donne un point de force, en gros. En mode mercredi, j'étais en sortie au salon Egast, au PMC de Strasbourg. Et là-bas, tu manges. Je connais pas du tout. Tu participes à des dégustations. Le matin, on a mangé des croissants et un buffet pour déjeuner. Oh, cool! Trop bien, ça! Merci, Isa, merci, Dovi, merci, Amandine, et merci, Mali, pour vos follow. Bienvenue à vous. Alors, on va acheter le permis cours d'eau, GAC. J'arrive pas à trouver les mots ruban pour le socoquette. Il s'appelle comment? Il s'appelle ruban, non? Ou nœud? Nœud, ouais, peut-être. Je crois. Oh, Nima, t'es so coquette. Tiens. Je veux un emoji comme ça. Pitié. Je veux un badge de sub. Je pense que ce sera Clarelia qui fera mes badges de sub. Je lui ai demandé si je pouvais la commissionner quand j'aurai ma DA. Donc elle m'a dit oui. Donc je lui demanderai de faire un badge so coquette. Et comme ça, quand vous l'aurez, quand vous serez sub, je pourrai vous dire que vous êtes so coquette. Ça, c'est beau. Incroyable. Oui, c'était ruban. Ah, voilà. Tu as viré ta mie. Mais non. C'est juste que j'aime trop ce que Clarelia le fait. Arrêtez, je me sens mal. Franchement, ça me fait culpabiliser. Je culpabilise de pas passer par Tammy, j'ai l'impression que je la trompe, genre. C'est terrible. Hein. Ça fait tellement longtemps que je passe par Tammy pour tout l'intégralité de ce que je fais. So coquillette. Sens-toi mal, je rigole. Oh my god. Allez, on va tout casser là. On va tout casser. Adieu le slay, bonjour le so coquette. Ah, ça slay, c'est so coquette de slay. De non. Slay, c'est so coquette. Bon. Voilà. Tammy be like, mais non. C'est trop ma grosse vie pour qu'elle me boude. Ça va, j'ai fait la commission de toute la DA hein, quand même. Hein. Je veux bien faire les bases par Clarilux. Elle est si coquette dans tous les cas. Après, je lui dirai, même si je la trompe pour les bases, qu'elle est so coquette et je pense que ça va passer et qu'elle dira pas de soucis, ma belle. So trompette. Je peux être aussi so coquette, mais bien sûr que tu peux être so coquette, y a pas de souci. So trompette. Zut, c'est pas grave, t'es quand même so coquette. Même si les bottes ne s'est pas mises. Et ce soir, c'est so pompette chez Voli, grave. Ça va être so pompette ce soir.
Allez, faut qu'on fasse un petit lac là. On va réélargir un petit peu la zone de l'eau. Je parle pas la zone de l'Owini, évidemment. On se doute bien. PTTR, stop. Ah, c'est pas moi qui ai dit, hein. C'est Axong, elle a dit, hein. Saut champêtre, ah ouais, carrément. Feraxou. Je vous parle plus. Vous êtes si terrible. T'as mis en bas. C'est quoi le nom de l'émote? Chouk. Loki Chouk. Je le déteste. Voli? Merci Kamika. Oh, Kamikaze, pas mal. Merci pour ton follow. Et rigolez pas, mais j'avais vraiment une fille au collège qui s'appelait Camille et son famille c'était Kaz. Je rigole pas, c'est pas une blague. Ah, j'ai eu peur. C'est le pseudo, c'est la petite blague. Elle avait vraiment, c'était vraiment son prénom. C'est quoi cette émote de rock roux qui s'appelle roux? Depuis quand il a ça? Je vais mourir! Putain, il fait des petits easter eggs comme ça des fois! Tu débarques après 3 semaines, tu vois qu'il y a une émote roux de rock. Faut lui demander. Rock? C'est plus rock, c'est rook. Depuis hier qu'elle est là? Explique-nous, STP. On l'a eu hier, PTDR, mais c'est quoi ces histoires? Oh, les rock roux là. Plus jamais, hein. C'est. En mode coquette. Ah, il était en mode coquette hein, quand il était roux. Hein. Ça, c'est rook. Écrit comme ça en plus. Merde, c'est pas ça que je veux faire. Un non-rook. C'est aussi sur Discord à la mise en émote. Hein, non. Arrêtez de coquetter, SVP. Mais laisse les gens être coquets en fait. Vous êtes trop synchro, Roulia et Axo, c'est fou. Vous êtes bien trouvés quand même, toutes les deux. Hein. Oui, il l'a mis car Lina l'a forcé. À la base, il voulait du gris, sauf que sinon, c'est comme... Oui, oui, ça, il m'avait raconté l'anecdote. C'est un fou rire. Enfin, il nous avait raconté en live, plein de fois. C'est un fou rire. Oh my god. Salut Chloé, comment tu vas? Une belle collection, hein, là. Alors là, franchement... Raymond, t'es dos côtelette. Putain, je suis dos côtelette, quoi. Bah écoutez, je la prends. Je sais pas comment je dois le prendre, mais je suis dos côtelette. C'est si drôle qu'on s'est déformé. Vacances une semaine. Oh, ça, Zabou, c'est une bonne news. Ah, ça va te faire du bien là de. Fou. Parce que t'es Volirène en fait. Volirène, c'est Volirène en fait. C'est Voli Queen. Sopopo palette. Sopopo palette, let. Popopolette. Palette. Ah vous êtes trop palette en fait, vous, en ce moment, je trouve. Vous êtes grave palette. C'est assez marrant. Mon correcteur, il a tout cassé. Et bah, c'est mieux, Soso palette, perso. Soso palette. Sosso palette. Trois petits points. So craqué d'abala. Tout le monde, vous êtes sosso manaise. Sosso manaise. So mayonnaise aussi, tant qu'à faire. Hein. Franchement, on n'est plus à ça près, les gars. C'est lunaire ce qui se passe ici, pourtant ça fait qu'une heure que tu stream, vraiment, mais c'est super drôle. J'adore. SOS Peau Palette. Sacha du Bourg Palette. Sau mayonnaise. Qu'est-ce qu'il y a, Nico? Nico Cacolongle. Qu'est-ce qu'il y a pas? Salut Artfilia, comment vas-tu? Souffre en frelège. Fonfreluchaise. Ah ouais. Vous rigolez pas. Je m'enfuis sous cachette. Arrêtez. Je vais finir par pleurer de rire. Alors faut arrêter. Ok, combien de cases il nous faudrait? 2, 4, 6, 8, 10, 12.
On va faire 14 parce que nous on est vraiment des zinzins. Si tu pleures, je pleure. Ok, non, ça marche pas. Je suis trop coquette pour pleurer. J'ai envie de me frapper des fois, je me saoule. Je sais pas dans quel sens faut que je me mette. Je suis dans le cadre ou je suis pas dans le cadre, je comprends pas. Commencez pas à pleurer, hein. Ah, vous êtes plus coquette hein, quand vous pleurez, hein. Sauf pleurette. Mais c'est quoi cette émote là, Shaima, que tu nous as mis? Ce truc que t'as mis là, c'est quoi? Oh, c'est portable, c'est si drôle. J'attends les modes coquette maintenant, au secours. Arrête, parce que vraiment, je suis capable de faire une émote saut coquette. Hein. Je suis dans le cadre. Je suis dans le chat. Ah bah, c'est vous qui êtes dans le chat. Moi, je suis juste dans le cadre. Hein. J'ai pas compté! Punaise! 2, 4, 6, 8, 10, 12. Oh, il m'en manque un. Je crois. Attendez, on va calculer. 1. Clémio! C'est le moment. 5. Clémio qui a les modes so coquette animée. Danse coquette, elle s'appelle en plus. Je vais mourir. Je suis dans le live. Je suis dans le live. Là, c'était obligé. T'as très bien fait. Je te remercie pour ce beau moment de l'émote coquette danse parce qu'elle est super drôle. Elle est super drôle. Ah, mais alors, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah, mais 12. Pardon, j'en baille carrément. Alors, 3, 4, 5. 6. 7. Stop the coquette car! 8. C'est les deux. 9. 10. 11. Et 12. C'est vraiment so coquette. Attendez, mais il y a combien là? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Ah non, il y a déjà 14 de base en fait. Bon, on va suivre le truc là en vrai. C'est terrible. J'ai pas compté. 4. Oh putain. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bah si, c'est bon. Oh, je suis perdu là. En fait, je vais faire un truc de 14 sur 12. C'est rare les séries de visionnage avec moi, ça slay. Mais ça, tu sais pourquoi, et vous? C'est parce que t'es so coquette. C'est pour ça. Salut Peaceful, comment ça va? Camarade, non mais toujours les deux là. Trop pareil. Mais du coup, ça va les 12. Bah ça va aller, je pense. Non, pas aujourd'hui, demain, et vous? Je reçois un colis presse de Nintendo, du coup, enfin de la boîte com. Avec le colis. En fait, j'étais censée recevoir juste le code du jeu et je reçois tout le truc. Du coup, j'aurai un code du jeu à vous faire gagner demain. Un code du jeu Peach. Voilà, si jamais. Ça, c'est so coquette. N'achetez pas le jeu, attendez demain au moins. Tout le monde, vous gagnez. Ma femme! Salut, ma femme! Comment ça va? Comment ça va? Ça fait quoi, ma femme, d'être la plus belle du monde entier? Juste pour savoir. Parce que je me pose la question et j'ai pas la réponse, du coup, vu que c'est toi la plus belle du monde entier. Du coup, je voulais savoir pour de vrai comment ça faisait. Voilà. So, so coquette. So, so, so coquette. Pitié, les super nunuches, faites-moi un truc avec so coquette. So croquette même. Ah non, 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 c'est so coquette ou pas, ou rien du tout.
Désolée. Ma femme! Ma femme, y a pas à être trop belle comme ça dans le chat. On va inventer une chanson coquette. Soquette? Alors là... Je suis pas sûre. Je suis pas vraiment sûre de ça. Ma femme, je t'épouse aujourd'hui et demain. Et aussi après-demain, tiens. Voilà. Tu m'épouses, en fait. Ok, ok, ma femme. Prends ma main. Petit bug. Ah. Et vous, t'as bugué? Trop bizarre. Virginie, tu te débrouilles avec Soquette. Ah, là. C'est pas moi qui ai dit, hein. Oh, Léa, merci pour ton prime. Comment ça va? Ça a été le taf? Salut, Grindo! Ah, super, ma femme, elle s'est fait prendre un super stop. Voilà quoi. Crevant comme d'hab, ouais, je vois tes snaps, hein. Purée, vraiment force. Je n'aimerais pas faire ce travail. Voilà, les choses sont dites. Sont dites? Bref. Sauvez-vous de T3 pour 6 mois, il reste 8 jours. Eh, c'est vrai qu'il reste 8 jours, là. Eh, on avance bien, regardez, hein. On est bien, là, hein. On est bien. Il me faut la chanson des 4 super nunuches pour la lune de miel. 4 super nunuches pour une lune de miel? C'est quoi, ça? On est bien, franchement. On est bien. Ah, je suis grave dans les temps, là, franchement. Ça fait plaisir, hein. Pour 6 mois, c'est urgent, il a mis. Dans l'étang. Ah non, je suis pas un tétard, en fait. Je suis pas une grenouille, je suis pas un poisson, je suis pas une algue. Donc, non. Je suis une coquette, mais je suis pas une algue. Donc, tu arrêtes. Les nunuches sur scène. Pitié, les nunuches, si vous faites un concert ensemble. Et... logique. Et vendez les places. Pas très cher, s'il vous plaît. Si, si, c'est une grenouille. Ah, pardon, excuse-moi, je pensais pas. Sois coquette dans l'étang. Sois honnête pour une fois. Ok, c'est bon, je suis honnête. Je suis une grenouille. Voilà. T'es contente? Un concert séparé, zinzine. Ah, pardon. Après, si c'est un concert séparé, on peut le faire sur Discord à entrée gratuite, hein. On est tous dans le Vogue général et on se mute tous et on vous écoute chanter. Je suis la princesse et toi la grenouille. Ma femme, super. Bref. Comment on perd un steak? Avec une grenouille? Futur émote de ton perso en grenouille? Non, c'est le Winnie, ça. C'est le Winnie qui a l'émote grenouille. Je vais pas faire la même. Le steak. J'ai pas compris. Arrêtez, j'ai pas compris. Mais il a bien dit un steak. Le steak. Attends, je mets le clip. Ah, vas-y, mets le clip alors. Comment ça, comment on prend un steak? Pas de steak, pas steak. Bah, je l'avais, mais j'ai pas osé. Hey Yuneo, merci beaucoup pour ton resub. Merci beaucoup pour le resub. Comment ça va? Tu vas bien? Shema, j'ai perdu mon steak. Roulia, elle a pas elle a compris steak. Oh non. Regardons. Comment on perd un steak? Comment ça, comment on perd un steak, Shema? Et Roulia? Dommage qu'on voit pas le chat. T'imagines, t'arrives, tu dis j'ai perdu mon steak. Ah, y'a eu ça aussi. Vas-y, vas-y, envoie. Est-ce que c'est le... Non. Non. Merci Nezuko pour ton follow. Daddy Moon.
tu pars à l'aventure avec ta dibou. Ça va pas, hein. Ça va pas, vos trucs, hein. Vous êtes des zinzins chez Dolly, là. Je fais pleurer pour moins que ça, mais vraiment. J'ai cru que c'était Roulia qui avait dit ça, carrément. Salut, Nekota, comment tu vas? Mais pourquoi je suis jamais là quand il faut... Revoli! Chasseaustech.com. Tu te rappelles hier avec les zouzoupettes? Ah, mais bien sûr, comment oublier? Ouga bouga. Après, on parlait de la chiasse d'Axou. Ah! Pauvre Axou qui a eu la chiasse, hein, on s'en remettra pas. Charmante des histoires, je ne sais pas de quoi il s'agit, de quoi il est recours, de quoi... Super. Encore à parler de caca. Qui a lancé le sujet? Bref. Ah, Nico, putain. C'était un robinet à crotte. Fini caca. Mais pourquoi il y a tout qui est mélangé dans ce live? Je comprends plus. C'était caché. C'est pour ça qu'on le trouve pas. Putain, il s'était caché. Ben oui, Artfilia. Elle est con en plus, cette blague, elle est toute simple. Pourquoi je l'ai même pas eue? Passe de steak à kia kia. Stop, à kia kia. Non, mais y'a rien qui va, tout le temps ça parle de caca ici! Purée, mais c'est encore Nico ça! Salut Ein, comment ça va? Oh là là, les gamins, trois petits points! Oh non! J'ai du mal à vous suivre. Oh, et moi donc, ça bouffe. Vous savez, des fois, faut éteindre son cerveau. Tu le prends, tu le mets à côté, et puis t'attends. Arrêtez de perdre vos steaks aussi, mais bien sûr, franchement... C'était cacaché. Non, je pense qu'on s'en passe. Je pense qu'on s'en passe. Je vais la fermier. Je vais la fermier pour faire à manger à mon habitant préféré comme hier. Les fautes du correcteur Raymond, elles sont spectaculaires. À chaque fois que t'écris, il y a une faute de correcteur, ça tourne la phrase dans un autre sens. C'est super drôle. J'adore. Continue, pitié, quoi. C'est vrai que les steaks se promènent dans les rues. Ah bah, bien sûr, attends, Yuneo. Franchement, si vous trouvez pas des steaks dans les rues, c'est qu'il y a un souci, hein. On est d'accord. Merde, j'ai cassé le coin là, mais il faut que je l'ai. Vous le trouvez où sinon? Bah, je sais pas, il y en a, ils disent au magasin et tout, mais je pense pas. Enfin, trop bizarre. Salut Anjou, ça va et toi? Ah. Je fais taille, c'est quoi ça, Nico? Je me suis trompé déjà, oh, pardon. Chez eux, c'est vrai, Voli. Il essaye de partir se rattraper. Je comprends pas toutes les fois. Mais je vais dire d'accord. Pour faire genre j'ai compris. Oh my god. Ok, bon. Ça suffit, les conneries. Alors, il me faut... Ok. On est bien centré. Là, il y aura la rampe. Ici, il y aura la rampe, du coup. Et faut qu'on monte. Vous m'épuisez, je pense, même si je vous aime bien. Je suis épuisée, personnellement, également. Mais bref. Alors, on va construire la falaise du dessus pour placer ma maison sur le dessus. Ma maison qui sera évidemment so coquette, vous vous doutez bien. Aujourd'hui, j'apprends à partir. Mais je comprends pas de quoi tu pars. Parle. De quoi tu pars? De quoi tu pars? La reine coquette. C'est vous les reines coquées, en fait. Bizarre. Également, cordialement, coquettement. Oh, pitié, signez vos messages quand vous partez en mode coquettement votre. Enfin, quand vous partez, quand vous me faites un mail. Coquettement votre. De quoi tu pars? Je comprends pas. Zépuiseille. Ah bah là, je suis zépuiseille. Bien coquettement.
pour ton follow, merci beaucoup. Ah, salut Bloom, comment vas-tu? Merci, c'est gentil. Mes salutations les plus coquettes. Salut Maridou, comment vas-tu? Et c'est merci User et merci G pour vos follow, merci beaucoup. Avec toute ma coquetteté, ma coquetteté. Salut Baby Sammy, comment tu vas? Comment ça va aujourd'hui, tu vas bien? Oh my god, c'est vraiment terrible. Ok. Soke... Ah non. Ah bah là, oui, ça c'est Soquequette, hein, en effet. Là, là, il est là. Hein. Coquillette. Je vais pleurer. C'est le live le plus drôle de l'histoire de Twitch. Ah mais là, là, il y a de quoi rire, franchement. Salut Gatwin, ça va et toi? Comment vas-tu? Bon, il nous faudrait 4-5 cases. Mais j'en ai beaucoup, là, des cases. Je pense que je sais pas compter. Madame Coquette, coquettement votre, Zadkiel le coquet. Faut rire, Zadkiel. Madame Coquette. Vous êtes so coquette. Oula. Vous êtes grave so coquette, oh my god. Je le vois dans vos messages, hein. Bande de coquetterie. Coquettaen, oh my god. Et mon bot, je vais l'appeler coquette, hein. Y a rien qui va, rien ne va aller là, faut pas chercher. Il fait beau, le soleil se couche enfin après 19h. C'est vrai ça ces histoires, c'est vrai que les journées se rallongent enfin. Hein. J'avais pas d'inspi pour l'autre, ah bah voilà. Bah y a quand même 3 personnes qui sont pas so coquettes. Hein. Un peu choqué, hein. Pamela coquette, on va juste l'appeler coquette queen. Roulia. Roulia, t'as déformé professionnellement l'emoji de... d'Axou. Je sais pas comment le prendre, perso. Mais bon, bref. Attendez, en fait, je fais nimp. Faudrait que ce soit là, donc faudrait qu'on... Merde, qu'on agrandisse encore. Dans une semaine, on change d'heure. En effet, c'est vrai. Enfin, les journées qui sont longues et qui se finissent pas à 17h. Ouais, vraiment pitié, hein. Que elle me copie, mais bien sûr, elle s'inspire des meilleurs. So coquette le robot. Putain. Par contre, vraiment pitié, hein. Je peux rename la PAM. En 2-2, c'est fini. Hein. Je la changerai son nom avec l'arrivée de la DA. Rename la fée. Je peux pas tout de suite. Si, je peux. C'est pourquoi la DA Sheba, Tammy, elle m'avait dit sûrement elle bosserait dessus fin mars parce qu'elle avait tous ses partiels, tous les trucs comme ça là. Donc, révision first quand même. N'abusons pas des bêtises. Sur la DA avec impatience. Et encore, j'ai changé d'avis sur certains points. Là, je revois avec Tammy. Enfin, sur certains points. J'ai fait le tri dans le tableau. Il y a des vibes que je veux un peu moins qu'avant je veux. Enfin, bref, vous avez capté. Pas très pro, Tammy, mais archi pro, tu rigoles ou quoi? Une majorité de so coquettiers font partie du chat. C'est si bien dit, Lisa, franchement. Totam so, elle est so coquette, Tammy, normal. C'est un peu drôle. Bon, du coup, on aurait une rampe ici. Une rampe là. Tac, tac, là, ça serait la zone de ma maison. J'ai jamais fait un truc comme ça. Mi-avril, début mai. Ouais, à peu près. Enfin, on verra. Hein. Franchement, il n'y a pas de date exacte. Cocotier, coquetier ou coquetier. La question est bien posée. Les œufs à la coque. Ils sont pas so coquettes. Ils peuvent, s'ils veulent être so coquettes, ils peuvent être so coquettes. Ça dépend de ce qu'ils veulent être, de qui ils veulent être et de pourquoi ils veulent être. Pourquoi ils veulent être. Là, il faut au moins 3. La maison, elle fait cette taille?
Petit nœud sur l'œuf. L'œuf coquette avec le vernis. Personne n'a parlé de Tom Nook, on parle d'œuf. Je sais pas que Tom Nook était un œuf. Mais c'est quoi le truc Numap que tu mets à côté? Je vois pas ce que c'est, moi. Qu'est-ce que c'est? Plus grand, non? Vous pensez que c'est plus grand? Non, elle fait 5 de large. Non, c'est ça, hein. Je réfléchis parce qu'en fait, si vous voulez... Alors, là, il est censé avoir le... Enfin, il est censé... Il est censé... Oui, il est censé avoir le haut de la rampe. Vous voyez, j'aimerais bien qu'au bout de la rampe, il y ait deux cases. Sauf que là, en fait, il n'y en a qu'une. Il faudrait qu'on recule encore. Salut Onyx, comment tu vas? Le neuf. Ça, c'est un œuf coquette. Ah bah ça. Ça, c'est un œuf coquette. Ouais, demain, normalement, le jeu pitch. Normalement, normalement. Hop. Et là, on aura toute une rangée avec des jardinières. Ouais, c'est ça, en gros. Donc, on va aller chercher une rampe à ma maison. Bah, le jeu qui est sorti aujourd'hui, le jeu pitch qui est sorti aujourd'hui, ouais. Devient la reine so coquette avec sa maison en hauteur, telle une so coquette. J'avais dit à Clarelia que ça partirait trop loin, cette histoire de coquetterie. Cette histoire de coquetterie, c'est pas faux. Oh my god. Alors, on va chercher auprès de Nook la rampe et ensuite ma maison. Les gens qui ont voté là méritent un ban. Bref. En tout cas, vous êtes 33 à être so coquette et ça, ça fait plaisir. Parlons maison. Oui, j'avoue. Oui, Peach, Princesse Peach, pas Peach le gâteau. Si jamais. À propos de ma maison, j'aimerais déménager. Combien c'est 8000, hein? Ouais, 8000. Oh, Nico. Ou la pêche, en effet. Il y a un gâteau Peach. Peach? Non, mais genre les petites brioches Peach. C'est les formes de doigts plats. Ah non, Peach. Ok, ok, oui. Ouais. Ouais. Les darons au téléphone, elles sont comme ça. Elle est cassée, la streameuse. Arrêtez, je fais la daronne. Changez-lui les piles. Dites pas que je suis un robot à tout le monde, SVP. Tu as là, ok. Comment t'as écrit ok en plus, si pépé? Aurore, coucou! Merci beaucoup pour ton resub! Comment ça va? Quand t'arrives sur un moment... Vraiment, c'est vraiment aléatoire aujourd'hui le live, mais c'est si drôle! C'est ça qui est si terrible! C'est que c'est vraiment très très drôle. Faute de frappe! C'est un peu marrant. Ma femme, on n'a pas encore d'enfants. Ah, désolée, ma femme. Bientôt, bientôt, ma femme. Merci beaucoup, Aurore. Merci, merci pour ton quatrième mois, déjà. Oh, purée. J'ai pas pris mes billets pour toi. Ah oui. C'est vrai qu'on peut pas tous aller à Tours, quoi. Tours, en plus, c'est une petite ville, donc... C'est une vraie ville ou pas? Est-ce qu'il y a une ville qui s'appelle Tours? Ah ouais, quand tu dis vous êtes aléatoire. Genre le mot aléatoire, genre... Bah aller, espace A, espace A, toire. Toirie, oui, mais pas toire. C'est quoi toire? Aléatoire. Le mot aléatoire. Des jeux de hasard aléatoire, tu vois. Ah, ok, ouais. Et ouais. Non, mais faut pas chercher. Faut pas chercher, hein.
Oui, j'ai recherché. Oh! Je crois, mais c'est Thouars. Ah! Eh ben, c'est Thouars. Ok, eh ben, écoutez, on ira à Thouars. À Thouars. C'est un peu marrant. C'est 500 aussi. Ah non, c'est 1000 et c'est 1500, c'est ça? J'ai ma grappe. Oh non, Zadkiel court. Oh mais c'est l'enfer ça, putain. Je dis court comme si... Comme si courir, c'était vraiment la solution, quoi. Oh là là, ça c'est vraiment l'angoisse. J'espère que tu vas vite semer la personne. Le gars, il est pas sans coquette, hein. Bah là, il est pas sans coquette, hein. Vraiment pas. Salut Chloé, ça va et toi? Venez, un jour, on se rejoint à Thouars pour un apéro. Je vais pas courir, j'ai le pied fou. Oh non, je reviens de l'hosto. Mais à l'aide. Il est loin ou pas? Salut Nouran, merci pour ton follow. J'espère qu'il est loin quand même. Qu'il te colle pas au cul, quoi. Ah merde, bah c'est ça, je l'avais. Ouais, puis je le sème. Cavale, cavale. Putain, mais c'est vraiment l'enfer. Ça m'est arrivé une fois, je sais pas si je vous avais raconté, mais je sortais de la gare, c'est la dernière fois que je revenais de chez mes parents. Je sortais de la gare et genre, il y a la gare, je traverse la route, et pour traverser la route, il y a deux passages piétons, parce qu'il y a deux portions de route à traverser en gros. Il y avait un mec qui attendait entre les deux passages piétons sur la petite, le petit truc quoi. Et il regardait tout autour de lui, mais tu sais, il avait l'air trop bizarre, il était vraiment louche quoi. Et Thouars, c'est pas loin d'Angers. Ah ouais? Oh bon, ça va, c'est pas très loin alors, je pensais que ça allait être vraiment... dans le trou du cul du monde, genre, mais ça va en vrai. Et ah, j'aurais pu la reculer de 1. Non, ça va, ça fait 3 devant, ça va en vrai. Et bref, il y avait ce mec là au milieu, et je commence à traverser, et je vois qu'il commence à me suivre un peu, tu vois. Et je commence à tracer, mais genre à accélérer le pas d'une manière vraiment rapide. Et il a fini par me semer, et il a refait la même, je me suis retournée, il a refait la même à une autre meuf qui est passée derrière, dans l'autre sens, genre. Putain, c'est une dinguerie, hein. Sur des sifflements, ça me dégoûte. Crache-lui dessus. Tu te retournes et tu lui craches à la gueule et tu pars. Ah, je te jure, Zadkiel, c'est terrible. Hein. Vraiment terrible. Enfin bref, vous savez, il y a des merdes comme ça partout. Hein. Malheureusement. Remarvin. Je l'ai semé, je crois. Ah bah tant mieux alors. Tant mieux, tant mieux. Putain, c'est vraiment terrible, hein, ce genre de truc, la vache. Puis ça te met dans un inconfort, enfin c'est... Est-ce que vous pensez qu'il y a des mecs pour qui ça fonctionne d'agir comme ça, c'est de semer une meuf et de lui demander son num ou je sais pas quoi? Premier degré, est-ce que ça a déjà marché que genre t'accostes quelqu'un dans la rue et que la personne te dise oh, « Ok, bah pas de soucis. » Je suis pas sûre, hein. Quoique là, je me tâte à mettre une ligne. Non, ça va faire too much, non, avec des buissons en bas. Non, on va fermer. C'est quoi ton numéro? Mon numéro, c'est le... C'est quoi le numéro de la police déjà? Coucou Poule Pollen, comment tu vas? Moi, ça va bien, merci. Des arbres, non, maintenant, je vais mettre des petits buissons. Mais... Je me dis, peut-être pas. En gros, là, je vais entourer la zone d'eau en mode des douves. Vous allez voir, de toute façon. Vous allez voir ça. Oh, vous, merci pour ton resub. Merci beaucoup. Mais bon, je sais pas comment c'est calculé, là, mais c'est le 17. Ok, Voli, c'est le 17, mon numéro de téléphone. Ça s'appelle Marne. Marne de la coquette. Arrête, c'est vrai, Valou. Ça, c'est marrant. Village qui s'appelle Coquette, on se rejoint à Coquette. Merci beaucoup pour ton reset. Ça fait quoi 17 mois quand même, hein, bordel. Ok, j'appelle. Rentre dans ma session Pokémon Go. Oh, c'est cool, t'as trouvé des trucs bien. Salut Mist, comment vas-tu? Oh, c'est ceux qui klaxonnent. Oh, tu as un sublime klaxon, je te donne de suite mon numéro. Terrible, c'est réel. Qui dit ça? Oh, merci. Merci Sandra pour ton follow et bienvenue. J'ai fait des vidéos sur ma chaîne YouTube pour avoir les 3 étoiles si jamais vous avez besoin. C'est là où il a 8 et Johnny. Ah ouais, c'est vrai? Oh my god.
Putain, il était so coquette en fait, Johnny. C'est fou, hein. Tout le monde peut devenir so coquette. Même Johnny Hallyday était so coquette. Oh, Light, les 25 streams qu'on sait. Ça, c'est bien, ça. En plus, souvent, ils ont des claques, sont trop honteux. Ouais, un peu, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Petite louloute, excuse-moi. Oh, là, on a une mini parcelle, là, devant. Hop, les... Oh, Mist Slay. Super Slay. Je voulais des shiny, notamment Flabébé et Bombidou, mais nada. Oh, nul. Bon, ça va, ça t'aura fait sortir un peu quand même, c'est cool. En vrai, c'est vrai, c'est vraiment bien Pokémon Go pour ça, ça fait sortir de ouf en vrai. Quand t'es à fond dans un truc, tu te dis putain, faut vraiment que j'aille marcher et tout. Du coup, tu te bouges un peu, hop, tu te motives, puis ça, tu sors quoi. D'un côté, c'est pas trop mal, hein. La saison où c'était sorti, enfin la saison, l'année où Pokémon Go était sorti, ça c'était fou en vrai, hein. Johnny, so coquette. Ah bah, allumer le feu, c'était fait pour une coquette girl, hein. Moi, je vous le dis, hein. Tu peux arrêter de tomber malade sur Mythopia? Ah bah, fallait me le demander, t'inquiète, je vais arrêter. Désolée. Est-ce que Cam Cam est so choupinette? Ah bah, bien sûr qu'elle est so choupinette. Johnny, coquette à l'été. Oh merde. Allumer les nœuds. Oh my god. Ma choupinette. Bah oui, la choupinette. Moi, je suis pas installée, j'ai un contrôle parental. En quoi ça t'empêche d'installer? J'ai pas compris. Sur téléphone, tu peux pas installer Pokémon Go à cause du contrôle parental? On peut bloquer l'installation de trucs avec le contrôle parental? Je sais pas qu'il y avait ça. Les gars m'a couru après. J'ai pris mon bus, donc tout va bien. Oh, mais ça va pas ou quoi? Putain, il est tombé amoureux, en fait, là. Lâche notre veste un peu. C'est terrible ça. Heureusement que t'es monté dans le bus. En espérant qu'il court pas à côté du bus. De gros zinzin là. C'est terrifiant, hein. Faites pas ça, pitié quoi. Ils peuvent être so coquettes s'ils veulent, mais soyez pas so coquettes comme ça en fait. Franchement, un zinzin JPP à l'aide. C'est tellement peu rassurant. Bon, tant mieux, c'est bon, maintenant c'est bon. Faut un mot de passe du parent pour... Ok, je savais même pas. Les parents peuvent bloquer l'installation d'appli, comme ça ils survivent. Putain, c'est pas mal ça, je savais pas du tout que c'était possible de faire. Ça vous évite de télécharger So Coquette. Soyez pas coquette si vous êtes comme ça, vraiment. Soyez pas coquette en fait. Une de mes nièces a ça sur son Android avec Family Link, Google. Ok, putain, je savais pas que ça existait. Ils comprennent pas que courir après quelqu'un, ça n'attire pas, vraiment. Mais en vrai, et pour de vrai, hein. Enfin... Je comprends pas parce que... On en parlait avec Clarilla tout à l'heure en vocal, et c'est vrai que, enfin, je vous le dis tout le temps, j'ai vraiment un problème avec le fait de sortir de chez moi. Putain, je m'étouffe. Pas wifi, hein. Ils sont malades. Hein. J'en parlais tout à l'heure avec Larry Lux et je disais que moi j'avais réellement un vrai problème à sortir de chez moi. Parce qu'en fait, littéralement, dès que je sors de chez moi et que je vais à l'arrêt de bus ou je vais faire mes courses, à pied, je me fais arrêter. Tout le temps. Et j'ai vraiment développé un peu une phobie du fait de sortir à l'extérieur parce qu'en fait, littéralement, dès que je sors de chez moi, je me fais accoster. De manière où on m'aboie dessus. On m'aboie dessus, hein. Un humain qui m'aboie dessus, pas un chien. Je parle vraiment d'un humain. On me siffle. On m'appelle de manière mais genre violente, en mode oh oh hey, des trucs comme ça, tu vois. Et en fait vraiment j'ai développé une phobie de sortir dehors seul à cause des mecs comme ça. Et je comprends pas comment en tant qu'être, alors qu'en tant qu'être humain, hein, je dis bien être humain, genre tu puisses agir comme ça et avoir aussi peu de respect pour la gente féminine. Genre je sais pas, tu vois, moi je suis entourée d'hommes, genre Voli, Lolo, Rock, tout ça, genre tous ces copains-là qui sont mais clean au possible vis-à-vis de ça. Et je comprends pas comment tous les hommes ne peuvent pas être clean. Enfin, je comprends pas en fait où dans leur tête ça déraille au point où ils se disent bah non, les femmes elles valent moins bien que nous. Je leur dois pas le respect.
Allô? Enfin, je sais pas, remettez-vous en question. Genre, c'est une dinguerie, hein. Maintenant, elle l'insulte le plus possible. Ah, mais moi, c'est pareil. La dernière fois, et je vous avais raconté cette histoire-là, la dernière fois, j'allais à l'anniversaire d'une de... Enfin, d'une de mes anciennes collègues, et j'étais accompagnée d'une de mes anciennes collègues qui a mon âge. Donc, une copine, finalement. Et je vous avais déjà raconté que le fait que on était au rayon bière, on avait été genre au supermarché Rapidos pour aller chercher des bières pour la soirée. Dans le rayon, il y a un groupe de 3 mecs qui étaient plus grands que moi, et je suis grande, hein, je suis 1m76. Qui étaient plus grands que moi, genre il devait faire 85, 90, ils étaient assez grands. 3 mecs, 3. Qui débarquent et qui me dit, qui passe à côté de moi et qui me dit oh t'es cute comme ça. Mais genre en mode gros dégueulasse, genre ah t'es cute, un peu en mode Anne et Laurent, vous voyez. Mais je lui dis mais ah t'es cringe. Je les regarde, je fais ah mais t'es cringe. Je lui dis ça et il m'a dit ferme ta gueule, genre il a commencé à m'insulter. J'étais là en mode mais ça va pas, genre mais t'es un malade. Et pendant dans les rayons d'à côté, il continuait à m'insulter. Et avec ma pote, elle était là, elle était complètement tétanisée. Enfin, pas tétanisée, mais en mode je dis rien, je ne réagis surtout pas parce qu'en fait ça va être pire. Mais moi j'ai aucune honte à réagir à ça. Genre je suis là en mode mais t'es vraiment un zinzin. Et je le crie bien haut et fort pour que tout le monde entende que c'est vraiment un mec trop bizarre, genre. Pour que tout le monde se méfie et qu'il est vraiment genre une honte qui s'installe sur ce mec, tu vois. Genre j'en ai ras le cul que ce soit à nous d'avoir honte de se faire accoster comme ça. C'est pas nous qui devrons avoir honte de se faire accoster comme ça en fait. Moi j'en ai marre d'avoir honte de me faire accoster comme ça. C'est à eux d'avoir honte de nous accoster de la sorte. Donc moi maintenant ce que je fais c'est que je hurle. Enfin genre je hurle, je suis pas là en mode ah, genre, je hurle pas comme ça. Même si je pourrais hurler comme ça et crier allez, allez comme ça genre. Là il aurait la honte, il serait là en mode mais qu'est-ce qu'il y a et tout genre. Tu sais quand tu montres un comportement comme ça et j'ai bien crié fort ah mais t'es super cringe genre oh, laisse-moi et tout genre. Et tout le monde dans le magasin était là en mode mais tu sais ils réagissaient pas mais ils étaient là à regarder la scène et tout. Ils devaient avoir trop honte les mecs. Bah bien fait. Go faire des cris d'animaux. Vous avez vu la vidéo de la meuf là qui s'était fait accoster à l'arrêt de bus et qui avait commencé à faire le dindon? Mais je vais faire ça, hein. Je vous jure, je vais faire ça. Pas sûr de l'émote. Non, pas sûr. Pas sûr de l'émote non plus. Faut toujours avoir un sifflet avec soi, comme ça, ça les fait peur. Mais en vrai, franchement, ça peut être une technique, hein. Seigneur du ciel éternel. Qu'est-ce qu'il raconte, lui? En mode, ah, des coquettes. Ah, bah là, c'était vraiment pas coquette, hein. Après, non, il m'a dit quand même, ferme ta gueule, s'il te plaît. Il a été poli un peu. Je me suis tapé genre un fou rire intérieur parce que vraiment, il m'a dit, s'il te plaît. Après, ils sont, ferme ta gueule, s'il te plaît. Et j'étais là en mode, mais qu'est-ce qui vient de se passer? Et j'étais là en mode, ah, ah. J'étais vraiment en mode, ah, dégueulasse. Vraiment. Oh putain, c'était terrible ce moment. Mais j'avais peur en vrai parce que je me suis dit, mais à tout moment, il me fracasse ma gueule dans le magasin, tu vois. Personne va réagir, je vais me faire taper dans le rayon des bières. Enfin. Vraiment, au moins il est poli, bah il m'a quand même dû faire ta gueule, tu vois. Donc il est poli, mais pas trop, quoi. C'est vraiment bon. C'est vraiment terrible. Enfin bref. Le pire, c'est de se dire qu'il y a encore des gens qui premier degré sont comme ça. Genre, pas pour te faire chier ou quoi, c'est qu'ils sont vraiment premier degré comme ça, quoi. Et qui comprennent pas, qui conçoivent pas en fait, que faut pas faire ça. Et j'aurais dû lui répondre, oh, toi t'es trop mignon mon petit bébou, genre j'aurais dû grave rentrer dans son jeu et lui dire des trucs comme ça, genre. Puis des fois je me dis, mais en fait si je fais ça, je vais me faire marave, j'ai pas envie. Il est poli à moitié alors, vraiment très à moitié quoi. Dans le rayon des bières, alcoolo va, mais c'était pour une soirée, il fallait que je ramène des bières. Ça aurait tenu qu'à moi, j'aurais pas été dans ce rayon. Hein. Plus de ça. Je suis allée parce que ma pote voulait acheter des bières parce qu'elle voulait pas boire autre chose que des bières. Moi je bois de l'eau donc bon. Je me suis retrouvée à trimballer un pack de bières alors que je bois de l'eau. Terrible. Le pire c'est ceux qui restent devant la scène à regarder. Vraiment. Genre pitié, s'il se passe un truc, réagissez quoi. Je sais. Ah non, c'est dans Drag Race France. Des drag queens du coup de Paris qui expliquaient. Je sais plus qui avait expliqué ça. Je crois que c'était. C'était Paloma, je crois, si j'ai pas de conneries, qui a expliqué. Enfin, je sais plus en vrai. Punani, Nico, c'est ça. Qui avait expliqué que, genre, un jour, elle s'était retrouvée, genre, à se déplacer et qu'elle s'était fait, genre, agresser dans le métro, ou dans la. Pas dans le métro, dans le transport, mais genre, dans les bouches de métro, genre, à l'arrêt, par un mec ou par un groupe de mecs. Oui, j'ai vu la saison 2, ouais.
et que genre personne, tout le monde sait, enfin tout le monde a vu qu'il se faisait tabasser, personne, personne n'est venu l'aider. Enfin, je sais pas, genre, t'es un arrêt, genre un arrêt de bus ou un arrêt de métro, enfin, je sais plus c'était quoi vraiment le contexte, mais en gros, la finalité, c'est que personne n'est venu l'aider, genre. Et genre, comment, en tant qu'être humain, tu peux laisser quelqu'un se faire tabasser publiquement, comme ça? Les gens aiment trop assister sans rien faire, mais moi, je trouve ça vraiment grave, premier degré. Tu peux, je dis pas, tu peux avoir peur parce que la situation est très, très particulière. Tu peux avoir peur de réagir dans le sens où genre tu peux avoir peur que genre ils s'en prennent à toi ou je sais pas, tu vois. Tu peux avoir peur et c'est humain d'avoir peur dans ce genre de situation. Mais genre tu peux pas laisser un autre être humain sous tes yeux se faire tabasser comme ça, genre. Enfin, je trouve ça chaud quoi. Réagis, genre crie en mode oh oh, je vous faites quoi. Enfin, je sais pas, genre. Réagis, même pas forcément physiquement, mais oralement, réagis, tu vois. Pitié, si vous êtes témoin d'un truc comme ça, réagissez, dites quelque chose. Demandez aux gens autour de vous de dire quelque chose, de se lier avec vous, enfin, je sais pas. Appelez de l'aide, appelez la police, appelez je sais pas qui, tu vois. Je trouve ça terrible. Et appeler la police, c'est le minimum, vraiment. Même si ça peut faire peur, en vrai, comme situation, parce que, bah, forcément, tu vois pas ça tous les jours, quelqu'un se faire tabasser ou quoi, mais enfin... Moi, je te jure que c'est ma cousine. Bah, t'as bien raison. Quand, pareil, quand quelqu'un... Et j'ai vu des TikTok comme ça, en mode expérience sociale, où c'était une meuf qui venait dans la rue, en fait, qui venait demander à des gens « S'il te plaît, est-ce que, genre, je peux me faire passer pour... Enfin, est-ce qu'on peut faire genre, on se connaît, s'il te plaît, je me fais suivre, et là, j'ai très peur. » Il y avait des gens qui étaient là en mode « Bah, non. » Et qui étaient là en mode qu'il a ghosté, en mode... Tu sais, en mode « Pousse-toi, genre. » Moi, on vient me dire ça, je me dis, mais t'es trop ma bestie, en fait, bien sûr, genre. Enfin... À l'aide. Bye, Elisa. Merci d'être passée. Si c'est une agression homophobe, depuis, je me dis que j'agirai forcément s'il se passe la même chose devant mes yeux. Mais bien sûr, il faut, hein, il faut. Avec tes yeux, t'espères attirer une sorte de pitié pour de l'aide, et finalement, rien, c'est horrible. Ça doit être vraiment, mais... J'ose même pas, je peux même pas dire que je comprends, parce que je comprendrai jamais, parce que j'ai jamais subi ça, mais... Enfin, vraiment, si vous subissez ce genre de truc dans la rue ou quoi, où ça vous est déjà arrivé et tout, mais vraiment... Enfin, force à vous et vraiment un gros respect, quoi, parce que pour se relever d'un truc comme ça, c'est hyper traumatique, en fait. Donc vraiment, je le souhaite vraiment à personne, même pas mes pires ennemis, ce genre de truc, quoi. Il faudrait-il avoir des ennemis? Mais bon, c'est vraiment horrible, quoi. Force à tous, hein, dans ces moments comme ça. Syndrome de Kitty, terrible réalité. C'est quoi, ça? Je connais pas du tout. Écoutez, je propose qu'on tète pour les bâtiments. Quelqu'un me suit, je le goûte, ok. Ah bah franchement, si... Franchement, let's go, hein. Je trouve ça fou que... Enfin... Genre, la plupart des agressions comme ça qui se déroulent dans la rue, c'est, on va pas se mentir, hein, littéralement, c'est soit des règlements de compte, soit une agression homophobe. Je sais même pas combien de pourcents c'est des agressions homophobes, enfin... Je trouve ça fou qu'il y ait des gens qui en arrivent à... Ils te voient, ils ont envie de te tabasser au point où ils passent à l'acte et ils tabassent, quoi. Enfin... Vraiment, premier degré, je comprends pas humainement comment c'est possible d'en arriver là. Enfin, pour moi, faut vraiment être sacrément dérangé dans sa tête pour en arriver là, quoi. Enfin, c'est chaud, quoi. J'ai eu quelques marques, mais j'ai juste eu un coup d'adrénaline. Ça m'a fait m'échapper et courir plus vite possible. C'était sur un quai de métro. Putain, t'as eu vraiment un bon move, hein. C'est incompréhensible, mais vraiment. Oh là là. Franchement, ça me fait trop mal au cœur et trop de peine de voir ce genre de message dans le chat. Je me dis, putain, t'es... Enfin, t'es juste un être humain. Juste parce que t'existes, tu te fais... Enfin... Je suis tabassée car je suis trans, donc bon, c'est vraiment abusé, putain. Je comprendrai vraiment jamais pourquoi ça est encore... Ça existe encore, en fait, ce genre de truc, enfin... C'est des connards, tout simplement, mais même connard, le mot est très faible, je trouve. C'est des sous-merdes, enfin, genre... Bref.
table assez. Putain, Nico, pitié quoi. Parce que t'es toi-même, mais vraiment. Je vois pas en quoi même ça devrait déranger en fait. Enfin, je vois pas pourquoi quelqu'un d'autre. Oh putain, m'a fait trop peur mon casque, il m'a hurlé low battery dans les oreilles. Fais plus jamais ça, pitié. Je comprends pas en fait comment c'est possible que ça te dérange à ce point en fait. Je comprends pas comment c'est possible qu'une personne qui n'est pas toi, qui sous ton nez, et juste. Enfin, ne fait rien de particulier, tu vois, juste elle-même. À quel point ça. Enfin, pourquoi ça te dérange à ce point-là? Je comprends pas. Quand je sors dehors, j'ai trop peur que ça m'arrive, et du coup, je vais même sortir voir des amis, ça me stresse, mais normal. Oh, battery, mais je te jure, il m'a hurlé dans les oreilles, Isabeau. Parce que le son, il est. Attendez, mon son dans mes oreilles, il est super faible, je comprends pas pourquoi. Attendez. Ah voilà. Un peu plus fort là je crois. Il était bugué mon son je crois. Ok c'est bon, désolé, le bip c'était moi hein, si jamais. Pour ceux qui sont sur PC. C'est des connards mais plus, mais vraiment plus quoi. Enfin bref, c'est un sujet qui est très... dans un mood un peu horrible. J'espère honnêtement que ça ne vous arrivera jamais ce genre de situation parce que c'est vraiment le pire truc qui peut arriver. Force, vraiment, une énorme force à toute la communauté LGBT qui subit ça, enfin LGBTQIA+, tout, hein, qui subit ce genre de truc tous les jours ou au quotidien, enfin vraiment c'est... J'ose même pas vous dire que je comprends ou que je me mets à votre place parce que vraiment non. Genre, j'ai limite même pas envie en fait de devoir me mettre à cette place-là quoi. Tellement ça fait peur quoi. Les différences font peur jusqu'au point de faire du mal aux gens, mais je comprends pas pourquoi, c'est pas normal en fait, que ce genre de truc arrive, c'est pas normal. Après c'est pas pour m'apitoyer sur mon sort, c'est surtout pour dire que si une personne agit, toutes les autres vont venir aussi. Leur faire peur, faut leur faire peur à plusieurs, mais bien sûr. Bien dit, Jicanari, bien dit. Enfin bref, clôturons ce sujet et revenons aux sococettes s'il vous plaît. Voilà, les bits de Jicanari sont sococettes. Bon allez, infrastructure. Ah mais avec plaisir Zadkiel, hein. C'est le but hein, c'est le but. Enfin, je vais encore dire un truc mais... Je trouve ça pas normal... D'avoir des safe places, de faire son coming out. Genre, c'est des trucs qui devraient être évidentes, dans le sens où. Pourquoi t'as besoin de faire un coming out? Tu vois, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est pas dans un sens négatif que je dis ça, attention. Je dis ça dans le sens où, en mode. Pourquoi tu te sens obligé, tu vois? Vous devriez pas avoir. Le sentiment de vous sentir obligé. Le sentiment de vous sentir. Vous devez pas vous sentir obligé de faire genre un coming out ou quoi, genre. Nous, on fait pas de coming in. C'est un peu con ce terme, mais on fait pas ça. Pourquoi t'es pas en jaune? Comment ça, je suis pas en jaune? Genre, ça devrait être tellement normal. Enfin, devrait même pas y avoir besoin de faire ça, de ce genre de truc, quoi. Je comprends pas pourquoi je suis pas en jaune, de quoi? Exactement, Yona. T'as bien raison. Enfin, pour moi, c'est. T'es quitté, t'as pas besoin de dire au monde entier, genre en mode. Ok, bah je suis gay, ok, je suis ci, je suis ça. Genre, t'es comme t'es. Pourquoi tu devrais te sentir obligé? Et je trouve qu'il y a une certaine pression en fait de la société en mode bah tu dois le dire, tu dois faire un coming out et tout. Genre, si vous sentez pas de faire un coming out, faites pas. Genre, soyez juste vous-même, genre. Y a pas à se sentir obligé, y a pas à... Enfin, je sais pas, je trouve ça dommage, en fait, que pour beaucoup, tu sois obligé de faire ce genre de... Enfin, ce coming out-là, alors que t'es pas censé, enfin... Tu fais juste ta vie, en soi, t'es juste toi. Un coming septembre, c'est mieux, tu me saoules, putain. Gros plus un, pas besoin de faire un coming out, mais vraiment. C'est vraiment pas obligé, hein. Il y en a qui te foutent la pression sur ça et tout. Tu sais, qui te parlent de ça en mode... Mais de manière... Genre hyper intrusive, en mode, bah, t'as pas fait ton coming out? Mais pourquoi je devrais le faire, tu vois? Pas besoin. Salut Soso! Ouais, on a un peu avancé, Gab, là.
Ouais. Et on va mettre directement la rampe ici. Comme ça, elle sera construite. Faudra qu'on aille chercher des sous parce que j'ai pas assez de sous par contre. Ok. Et je pense qu'il faudrait encore quelques petits motifs parce que je suis pas sûre d'avoir tout ici. Et là, je pensais faire... Alors déjà arrondir ici et là faire la rivière qui relie ici et faire un petit pont. Mettre un petit pont genre limite en diagonale. Pour la première fois de ma vie, je vais mettre un pont diagonal sur Animal Crossing. Oh my god. Et pareil, j'ai dit quoi? Coming out et quoi? Eh oui, safe place. Genre, tous les endroits devraient être une safe place, tu vois. On devrait même pas avoir besoin de... Enfin, je sais pas si vous est ce que je veux dire. On devrait même pas avoir besoin, en fait, de s'auto-proclamer safe place ou de dire que c'est une safe place. Partout, ça devrait être ça, en fait. Ça devrait être ça partout, des safe places. Il y a des endroits... Là, en fait, il y a vraiment des endroits où ça ne l'est pas. Mais je trouve ça chaud, quand même. Moi, je trouve ça chaud. Franchement, ça me révolte. On me posait la question si j'étais gay en classe parce que je me laissais pousser les cheveux. Non mais vraiment le rapport pitié quoi. T'inquiète, y a pas de souci, Unionia. Putain, j'y arriverai pas. Attends, je le dis. Pas de souci, Uniona. Y a pas de souci. Union, je peux t'appeler Union. Je trouve ça stylé, Union. Y a vraiment pas de problème vraiment. C'est des sujets qu'on aborde. Hein. Il faut en parler parce que ça sensibilise, tu vois. Genre c'est, enfin c'est important. À toute Soso. Subjectif je trouve. Dans quel sens? Faisons l'amour, pas la guerre, en effet, quel beau proverbe. Genre les annonces, c'est quand il y a un truc de spécial, donc pas besoin, bah ouais. Mais je pense qu'à la longue, tu vois, ça finira par se perdre un peu tout ce qui est coming out et tout. Après bon, d'un côté je comprends la pression, je comprends tout ça. Je comprends aussi dans les dernières années, entre guillemets, le besoin de faire un coming out ou quoi. Parce que la société, elle te fout une pression, puis surtout, bah... De plus en plus, en vrai, la communauté LGBTQIA+, genre, il y a de plus en plus de liberté, même s'il y a toujours des giga dérives, dans le sens où, bah, toujours les cons, comme on disait avant, qui vont venir te tabasser, qui machin, qui truc. Oh, Anouk, coucou, comment ça va? Il y a toujours ce genre de truc, hein. Il y a toujours ce genre de truc, mais de plus en plus, ça devient littéralement normalisé, et ça devrait pas avoir besoin d'être normalisé, parce que c'est normal en soi, mais c'est normalisé, entre guillemets. De plus en plus par rapport à il y a encore 10 ou 20 ans, tu vois, il y a 20 ans, tu pouvais limite même pas dire que t'étais gay parce que sinon t'étais jugé de tous les côtés. Maintenant ça va, un peu plus, mais on n'est toujours pas sur un pied d'égalité avec genre nous les personnes hétéros, tu vois. Genre, et pourtant ça devrait être sur un pied d'égalité parce qu'il n'y a pas de différence entre... Enfin, bref, vous voyez ce que je veux dire quoi. Puis je trouve que faire un coming out, c'est plus dangereux que de ne pas le faire. Oui, vraiment. En fait, pour moi, les personnes autour de moi qui... Enfin, la plupart des personnes autour de moi n'ont pas fait de coming out. Honnêtement, les personnes qui font partie de cette communauté-là. Et en fait... si, j'ai des personnes autour de moi qui m'ont fait un coming out et j'étais là en mode, mais pourquoi tu te sens obligée de le faire? Je le sais. Genre, je te connais. Je te connais par cœur. T'es mon ami. T'es ma meilleure amie, mon meilleur ami. T'es genre... je sais pas, mon cousin, ma cousine, je te connais. Te sens pas obligé de m'avouer ça, je le sais déjà. Je te connais, je sais qui tu es. Tu vois? Quand t'as vraiment des amis autour de toi, ou même ta famille, en tant que parent, tu sais qui est ton enfant. Tu sais qui est ton enfant. Et genre, d'avoir cette pression de... Tu, par exemple, quand t'es enfant et que tu te sens obligé de faire ça, enfin de faire ton coming out à tes parents ou quoi, je trouve ça triste. Que genre, dans le sens où t'as peur limite de la réaction de tes parents, alors que tu devrais pas avoir peur de ça. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je me sentis grave obligée par rapport à la société perso, bah tu vois. C'est pour ça que j'ai jamais voulu en faire. Bah t'as bien raison Linux. Après bon, pour certains, je dis pas, parce que pour certains ça leur a permis beaucoup de se libérer potentiellement aussi d'un très gros poids qu'ils portaient en eux. Donc ça après c'est vraiment propre à chacun. Je porte pas du tout de jugement là-dessus, vraiment, vraiment pas. Il y en a certains qui, enfin, faire un coming out, ça a vraiment permis d'assumer amplement, de vivre et d'être eux-mêmes. Et dans ce cas-là, tant mieux si ça a permis d'avancer, etc. Mais je trouve ça juste dommage, en fait, que genre, tu te sois senti obligé de le faire pour te sentir toi-même. Ça, c'est dommage, je suis un peu attristée par cette idée-là. Mais s'il a fallu le faire pour te sentir comme ça, bah tant mieux, tu vois. Tant mieux. De ma famille qui est un peu beaucoup homophobe, lol. Mais bon, bref, ouais, on connaît hein, toutes ces familles-là. On connaît un peu trop bien. Si vous le voulez, faites-le, mais ce n'est pas une obligation. Exactement. Et c'est bien de noter que c'est pas une obligation.
Salut Nono. Faut pas avoir peur en fait d'être qui on est. Je trouve ça un peu dommage de se bloquer ou même de se poser beaucoup de questions. Mais c'est normal de se poser des questions, c'est normal de se remettre en question, d'avoir peur, c'est normal. C'est totalement normal avec la société dans laquelle on est de toute façon. Mais c'est votre vie privée exactement, Zabou. Genre c'est votre vie privée, vous êtes qui vous êtes et ça doit déranger personne en soi. Parce que bah c'est vous, tout simplement. Je suis homophobe, désolé. T'es con. Mais j'ai pris beaucoup trop en fait, je suis là en mode ouais ça coûte super cher les ponts mais pas du tout quoi. Ah mais vraiment gamme. Les moindres faciès, ça réellement. Putain, c'est toujours ça me fait de la peine. Bisous Filia, merci beaucoup d'être passé. Salut Iris, ça va très bien et toi, comment vas-tu? Ok. Ah mais là j'ai deux là. Oui j'ai deux, ok. Ok, bon. Maintenant qu'on a ces zones, alors on a fait ça. On a fait une petite zone, hop hop hop. Je trouve ça sympa, ça change un peu. Je crois que c'est une... En fait, le truc duquel je m'inspire, c'est un truc qui a été fait sur le DLC. Je crois bien. Donc en fait, c'est la base du DLC que je viens de reproduire là. Mais j'ai l'impression que la base du DLC est plus petite. Ou qu'elle est vue de plus haut, ou je sais pas, mais qu'elle est moins large. T'es pas dans les normes, entre guillemets, t'en prends plein la tronche. Moi, pareil, le truc de normes, j'ai vraiment un souci avec ça. Mais bon, enfin... On va pas se mentir, hein. Il y a clairement des normes dans la société, etc. Donc on peut pas se mentir là-dessus, sur le sujet-là. Il y a des normes, la société catégorise tout encore maintenant, même s'il ne devrait pas y avoir de normes. Genre, chacun devrait être une norme. Dans le sens où, je le dis souvent, mais genre, pour moi-même, tu vois, je suis ma propre norme. Et chacun devrait penser comme ça, en mode, je suis ma propre norme, je suis moi-même. Mais pas pour autant dire que les autres, tu vois, genre, ils sont bizarres ou qu'ils sont pas normales. Parce que c'est pas le cas, tu vois. C'est juste leur norme à eux-mêmes. Chacun est sa propre norme. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Tu devrais pas te préoccuper, en gros, de ce que les autres pensent, quoi. C'est terrible parce qu'on est tous là à se préoccuper, justement, mais c'est l'effet de société, l'effet de d'autres personnes qui pensent pas comme nous, etc., quoi. Oula, beaucoup de choses en vrai, Iris, hein. Beaucoup de choses en vrai. T'inquiète, c'est que t'es ma femme, ça bouge pas. Ah bah ça, c'est normal, ma femme, on est trop ma femme. On est trop ma femme. Ta maison est plus grande que celle du DLC. Non, 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 je crois pas, hein. Non, parce que c'est la même maison. Mais je pense que c'est pas... Non, c'est parce que c'est vu de plus haut. C'est vu de la caméra, vraiment, tout en haut, donc c'est peut-être pour ça. Bon, enfin, bref, on va essayer de construire ça aujourd'hui, de faire un truc sympa. J'ai quelques motifs qui sont très cool. Je vais vous remontrer. Je coupe juste la cam pour que vous puissiez voir tous les motifs. J'ai ceux-là que j'aime beaucoup, ils sont très mignons. Et j'ai ceux-là aussi qui font un peu plus cartoonesque, si je peux dire. Et j'ai un petit chemin comme ça qui est très mims. Mais j'avoue que j'aimerais bien quand même des petites dalles. Donc je vais peut-être regarder si je peux pas trouver des petites dalles. Même si je devrais trouver ça très rapidement au vu du thème, je pense. Alors attendez, je vais revenir en arrière sur mon tableau. Ah, coucou Cristal, je regardais le jour 4 de Mirabelle, mais le direct est plus agréable. Ah bah en effet, oui, c'est sûr. C'est sûr, c'est plus agréable de participer directement au live, ça c'est clair. Alors, voyons donc, est-ce que j'ai pas des petits motifs? Si jamais tous les motifs que j'utilise là, ils sont enregistrés dans le tableau Flowercore sur Pinterest. Je cherche un motif de dalle. J'aimerais trouver ça dans pas très longtemps. Qui fait des bêtises? Mais c'est Cristal. Merci beaucoup pour le Prime, Cristal. Merci, merci. Faire en pattern, c'est-à-dire à fond. C'est vrai? Il y en a plein, en vrai. Hein. Il y en a plein. Merci beaucoup pour le resub. N'hésitez pas à mettre les émotes de sub, évidemment. Évidemment, évidemment. Cette phrase-là, elle me fait penser à Lucas, à l'époque. Quand il y avait quelqu'un qui se subait. Et merci pour le follow, Kélia. Merci beaucoup. Slay Emma, slay. Quand quelqu'un se subait, il disait n'hésitez pas à balancer les new subs dans le chat. Des new subs. Et les new subs, c'est quoi? Chez lui, c'est son émote new sub. Et il y a des gens, et il a eu cette discussion un jour, ça m'a fait rire, parce qu'il y a des gens qui pensaient vraiment que j'aurais. Il disait ça en mode n'hésitez pas à balancer des subs en fait. Et genre,
Genre les gens étaient là en mode mais ça va pas lui putain, il gratte les subs et tout, alors que pas du tout, c'était pas du tout comme ça qu'il fallait entendre ses paroles. Du coup vraiment il y a eu un quiproquo énorme et il y a des gens qui pensaient trop que c'était quelqu'un qui était là juste bah, pour les subs et tout, alors pas du tout, il disait juste bah, balancer les émotes quoi. Enfin genre normal. Enfin ça m'avait bien fait rire, c'était un peu drôle. La situation était un peu cocasse. Bon les dalles là, il y a pas des petites dalles qui traînent? Ah, j'en ai là qui pourrait être sympa. Alors attendez. La localisation de mon tel, elle est trop guise. Des fois, elle me localise à Paris. Maintenant, je suis à Dijon d'après Google. Bah oui, normal. Cocasse ou coquette? Ah, très cocasse. Le mot cocasse, il est très drôle. Oh, réponse à slay trop. Tu slay trop, ma femme. Bah, je t'ai dit, Iris, on a fait beaucoup de choses. On a fait beaucoup de choses. Après, ça dépend à où tu t'étais arrêté parce que. Il s'en est passé des trucs, hein, depuis quand même. Par styliste, alors, on va faire 83, 18. Je vais regarder à tout moment, c'est moche. Hein. 33, 41, 39, 88. Ça m'énerve les gens qui font des screens de posts Instagram et qui les mettent sur Pinterest, ça me saoule. Ah, c'est ça. Non, ça me va pas. Ça ne me va pas. Ou sinon peut-être dans mon tableau Palm Spring peut-être, même si je pense pas. Bon, on va les regarder quand même. Je pense qu'on peut trouver des trucs plus sympas. Vos new subs aux coquettes. Balancez les new subs aux coquettes. C'est vraiment terrible. Est-ce que j'avais pas un motif un peu marbré ou je sais pas, parce que là le truc qu'elle a fait c'était un peu marbré, je trouvais ça joli. Je trouvais ça très mimi. Oh, il y a des vintage tails. Mais j'aimerais bien un truc bien blanc. Pour en fait, pour donner le côté un peu plus construit. Sinon, ça va faire trop naturel. Je pense que ça va être un peu moche. Bah écoutez, je trouve pas. Bah c'est vraiment superbe. J'en suis ravie. À l'île de la déco rose-orange. Rose-orange? T'es sûr c'est moi? Altea? Rose orange? C'était pas rose orange les couleurs d'Altea. Enfin c'était tout quoi, il y avait pas que rose orange. Ah peut-être que si avec les bâtiments, dans ce cas-là oui. Ok. Dans ce cas-là peut-être. Bah pour moi, Altea, elle a plus une vibe verte, bleue, blanche plutôt, ouais. Il y avait juste ouais, deux bâtiments, il y en avait un rose et un orange. Mais ok, oui, dans ce cas-là, oui, je vois de quoi tu parles. Ah oui, du coup, t'as loupé si t'avais pas fini... Enfin, si t'avais fini... Enfin, si t'avais pas fini la déco. Enfin, de voir la déco, oh là là, je galère. Hein. Pitié, trouve-moi la dalle, là. Je ne trouve plus. Ou sinon je mets le motif Allez Taïo, ça m'a saoulé. Salut Barbie, c'est fantastique, comment vas-tu? Oui, maintenant je vois, j'ai réfléchi. Maintenant je vois aussi un peu, ok, ça me va. Une grande piscine. Ouais 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 Iris, ouais bah c'est Altea alors. C'est Altea. Attendez, est-ce que j'ai trop d'idées en même temps? Ça va plus. Merci Lily pour le follow. Bisous Charline. Avec le petit zinzin. Bande de zinzin. Ah ouais, on est des zinzin carrément. Je pense qu'on va pouvoir venir faire un truc comme ça. Bon, je vais mettre des points. Juste pour qu'on relie. Comment on peut un petit peu arrondir maintenant? Ok. Ouais Lali, ça avance, ça avance. Bah c'est le premier truc qu'on fait sur cette île au final. Hein.
Je vais arrondir celle-ci là parce que c'est un peu bizarre comme ça. Voilà. Je fais une petite base. Souvent mes rivières de travers, comme ça je les fais de la sorte. Comme ça ça relie un petit peu. Est-ce que je peux arrondir ici? Ah non. Super. Si jamais il y a le message épinglé hein, pour Mirabelle pour cette île-ci. Salut Lucie! Purée, mais stop de sauter là. Là en gros, je vais faire ça comme ça et je vais mettre un pont en diagonale, un truc que j'ai jamais fait sur l'île. Enfin, sur aucune de mes îles. Je vais mettre un petit pont en diagonale. Non, mais putain, mais c'est trop de sauter comme ça. Donc normalement, il est censé passer là. Si j'ai pas de bêtises. Et en haut là-bas, il y aura ma maison et tout. Là, vous allez voir en vrai. Je mets jamais de pont en diagonale parce que mes routes sont hyper droites et du coup quand tu mets en diagonale ça fait des motifs tout dégueu. Mais là vu que c'est des motifs arrondis en mode sol et tout, ça passe. Enfin je trouve ça passe. Mais là c'est un peu chiant parce qu'il faudrait que je décale l'autre pont en dessous. Donc, je remonte d'un cran peut-être. Je peux remonter d'un cran. Ok, on va remonter d'un cran. Perche. Traverser. Hop. Ça va être stylé de faire une rivière en diagonale. Bah, stylé, je sais pas, mais c'est... Ouais, c'est là, quoi. On est là, quoi. Hop. Et là, du coup, ça nous fait un petit îlot, mais c'est un peu mimi, en vrai. Je peux sauter, là? Non, je peux pas. Dommage. Sous merguez, ça va pas ou quoi? Hop, on va faire ça comme ça. Et là, on a grandi comme ça, voilà. Et là, on a une petite... petite rivière, MDR, elle est énorme. Elle fait quoi? Elle fait 4 de large, là? Ouais, elle fait 4, mais 3, ça va faire trop petit. Salut, Lonia! Ouais, on va la faire droite, comme ça, pour mettre le pont, sinon ça passe pas, le pont. Et on mettra quel pont? Oh, je sais pas quel pont on va mettre, faudra qu'on voit. Ok, on avait dit qu'il fallait qu'on arrondisse les petits coins, ici. Comme ça. Même ici, on pourrait arrondir encore plus comme ça. Hop. J'aimerais bien en fait essayer de garder quand même la grosse base qu'on a sur l'île parce que j'aime beaucoup la forme de base. J'aime beaucoup quelques petits détails aussi sur l'île, je trouve ça très cool. Je pense qu'on peut faire des trucs sympas. Je sais pas si je peux remercier pour ce follow. Mais merci pour le follow. C'est un peu... Voilà quoi. Ok, alors. Là on aurait en haut. Ok. Si j'essaye de mettre mes motifs. Bon déjà faut que je tète. On va tété. Je vais aller arroser, pardon. Hop. Tu fais ça au croisement de tes rivières. Bah là le pont il sera là. Tu vois? Je sais pas, moi j'ai pas compris ce que tu me dis. On va aller voir ici. Ah il y a une autre. Oh. Bah j'ai une bleue qui est apparue là. Ok pourquoi pas. Avec ma mère, elle répondait, elle me disait, elle répond pas alors que je répondais pas, elle répond. Vraiment, elle a lit au secours. Ça arrive tellement tout le temps, ça. C'est vrai, genre c'était vraiment le truc facile entre guillemets des parents de dire, ouais, me répond pas, alors que littéralement, bah là, il y a besoin d'une réponse, tu vois. Ce mot me faisait flipper quand j'étais petite. Genre, arrête de me répondre. Ça me faisait trop peur. La tonalité et tout. Oh, let's go Marley. Tu cherches quelqu'un en particulier ou pas du tout? Je parlais de ça. Ouais, bah ça va slayer. Re et In, comment ça va? Depuis tout à l'heure. J'ai arrosé ça? Oui, j'ai arrosé. Je suis zinzine, moi.
Hop. J'ai toujours pas de mauve. J'ai hâte d'en avoir des mauves pour pouvoir en mettre un peu plus parce que je les aime bien. Est-ce que j'ai de la place? J'ai encore une place. Pieds jacinthe, hop. J'aimerais bien qu'on utilise des jacinthes un petit peu plus tard pour là-haut. Ok, on va têter du coup. On va têter pour faire construire la rampe et pour mettre le pont aussi. Comme ça, on sera bien. Ouais, j'ai fait une liste. Ah bah cool alors. T'en as combien dessus? Deux. Bon courage. Un petit loupio. Ah ok, ouais, bon courage pour trouver un en particulier surtout. Champ de lavande. Ouais, ouais, exactement, Gab. C'est bah, c'est pour ça en fait que j'en veux aussi. Je vais faire un peu des champs comme ça. Vous verrez de toute façon, mais ça va être une île fleurie où il y aura beaucoup de champs un peu style. Bah, les champs de lavande, vous voyez qu'on voit souvent sur les îles un peu provençales et tout. Mais là, j'aurai des champs comme ça et des champs de fleurs classiques, tu vois. Mais ce sera que des jacinthes. J'ai hâte. Attendez, je retourne dans mon tableau Flower Core. Hop. Voilà. J'avais vu d'autres idées aussi, mais j'avoue que... Enfin, pour la zone de ma maison, mais j'avoue que les autres m'ont pas trop transcendé. J'avais vu une idée en particulier pour les maisons d'habitants, qui était très cool, mais j'ai pas les petits motifs là. Mais après, c'est des motifs, vous savez, les fameux motifs de route très naturels, là, le classique du classique. Hop, j'ai tété. Ouais, j'avoue, un petit verger, ouais. L'avantage des îles avec beaucoup de fleurs, c'est qu'il y a moins de déco à faire, ça va plus vite. Oui, c'est vrai, c'est pas faux. Non, t'as pas tété. Non. J'ai pas tété. Bon, on va regarder, hein. Mais si, j'ai tété, je suis allée là-bas. Beryl. Mais bah ouais, on l'a eu en chasse hier, en un ticket. Si, c'est bon, j'ai tété, bonne de zanzan. Même que j'ai fait ça à la place... Enfin, j'ai fait ça à la place de faire ça. Vous êtes pas... Hein? Oh. J'ai 5% de batterie, c'est un peu terrifiant. Bah allez là, Beryl, toujours il charge. Toi-même, oh, t'es pas haut, oh, oh, oh vous-même, hein, oh. Ok, donc là, on a la petite descente, et là, on va mettre le pont. Imaginez, j'ai pas de perche, miskin, faudrait tout que je casse. Ok, on va mettre un pont. Putain, je suis dégoûtée, je pensais trop qu'il y avait des petits ponts blancs et tout. Ça aurait été trop beau, mais il n'y avait pas de pont blanc, donc... Noméo. Bande de zinzin. On a raté le touche-nez, on a raté le touche-nez de ouf. Je suis désirée, Beryl, mais toujours plus, hein. Lolo, oui. Allez là, Beryl, pitié quoi. Qu'est-ce que je mets comme pont? J'ai mes petites rampes blanches. Même le touche, on a tout loupé là. Non mais vous savez pourquoi on a loupé? Parce qu'on était trop coquette aujourd'hui, c'est pour ça. Faites pas gaffe, hein. C'est sûr, c'est pour ça. C'est sûr. J'ai mis toute ma classe au touche-nez, c'est vrai? Ah non. Mais le Beryl là, putain, mais je vais pas l'avoir là. Hein. Bah voilà, super, j'arrive à zéro, putain. Je suis en late de 3 secondes, quoi. Il y a des gens sur mon Beryl, ils sont en train de manger des gaufres et tout, là. Linux, tu crois que je vois pas jouer à Stardew Valley? Salut, Ambre. Allez, on va prendre un petit pont, là. Parlons infrastructure. Je peux même pas, j'avance pas. Pff, Hugo, je te vois écrire sous mon Beryl, hein, mais bref. Trois petits points. Les ponts et les rampes, c'est bien ça. Oh, lolo. Construire un pont.
Chichi. Zinzin. Ça va Hugo, tu vas bien quand même en ce moment? Ça se passe la petite vida loca là? On va mettre le pont en bois, hein. Celui-ci, on va pas se faire chier. Le pont suspendu, il me dégoûte un peu. La couleur du bois orange, c'est non. Écoutez, on va mettre ça. Bah ça se passe bien, écoute, bah tant mieux. Voilà, c'est tout ce que je voulais entendre, franchement. Bisous, j'ai canari, merci d'être passé. Il y a ma boutique qui a ouvert, juste... Ah, mais c'est cool ça, Gab. Moi, je suis plus boba que Bubble Tea. J'ai qu'une amie sur Biril. Et bah, franchement, au moins le tour de l'application est vite fait. Ah bah, c'était un petit peu ironique, quoi, finalement. Je suis fou amoureux, donc bon, la vie est belle. Ma moitié belle, ouais, ma vida. Raya. Envoie les chiers, va. Après, je sais que t'es fou amoureux de moi, mais t'étais pas obligé de le dire devant tout le monde. Aussi, s'il te plaît, mais bon, c'est pas grave. Ce qui est fait est fait. Je me laisse pas abattre, bon ça va alors, tant mieux. C'est une bonne news. Mais non. Une certaine Laurine. On s'entend pas du tout. Choc barre. Ça c'était la seule nouvelle que je n'aurais pas imaginé entendre. Est-ce que son pseudo sur internet ce serait pas Louini? Ah putain Hugo. T'as relâché la pression? Si. Oh my god. C'est elle en fait. Celle-ci, je pense que c'était elle en effet. L'eau qui se met dans les trucs. J'ai craqué. Bah après, il y a de quoi. Hein. Si tu te fais harceler. T'en as parlé avec quelqu'un au taf, genre supérieur ou quoi, de ça? Parce que je suis sûre, il y a moyen d'arranger quand même. Oui, oui, c'est remonté. Bon, tant mieux alors. J'espère qu'il va y avoir les agissements nécessaires. Ok. Ok. On va procéder. Est-ce que je peux mettre l'arbre ici? J'ai un gros gros doute. Vraiment pas. Miam les oranges. Tant de sous, t'as fait les navets? Ouais, j'ai fait les navets hier. Avant-hier, peut-être? Non, hier, je crois. Non, pas ici. Au moment, la meuf qui marcelle me hurlait dessus. Sûrement, il y a ma pote dans le bureau. Et au même moment, t'as l'eau qui vient chercher un colis sur l'étagère des colis. C'était assez drôle comme ça. Oh non. Elle a dû être là en mode. Qu'est-ce qui se passe? Tra, mais à l'aide, vraiment. Salut David, comment tu vas? J'aime bien comment c'est fait. Faut qu'on mette les sols par contre, absolument, parce que là c'est un peu caca. Vraiment les maudits. Vraiment. L'osso coquette qui débarque avec son petit colis là. Pour aller prendre le petit colis. On était so coquette dans ce moment là. Vraiment comme ça, Roulia. Terrible. Ça s'est arrangé quand même ou t'as... ou pas vraiment? Réponds pas, hein, si c'est trop perso. N'hésite pas à me dire d'aller me faire foutre, évidemment. Je ne le prendrai pas mal. DR, super l'ambiance, vraiment. On va pas faire ça comme ça, parce qu'attendez, je suis en dubitativement dubitative. On va prendre le remodil et on va faire avec le truc du remodil. Ah mais j'ai pas le truc, faut que j'aille l'acheter, je crois. Que j'aille l'acheter. Comment ça va Nelly, tu vas bien? En gros, mardi, ça s'est passé. J'ai écrit la lettre à la direction. Le mercredi, ils ont coqué la meuf et ils l'ont gueulé. Demain, je retourne au taf. Qu'on verra demain. Ok. Bon, j'espère qu'elle a compris et qu'elle arrête de faire ce qu'elle a fait. Grognasse. Je me permets. Bon, au moins, si le mot est passé, s'ils l'ont convoqué et tout, c'est que c'est bien. C'est qu'ils n'ont pas laissé passer. C'est un point positif d'un côté. Tu veux pas reculer la maison? Tu penses que je la recule? Je me fight avec une daronne, c'est trop grave. Oh, vraiment. Pour ça, faut que je la recule, la maison. C'est là.
Après, je pourrais pas mettre de clôture derrière si je recule la maison. Moi, ça me choque pas où elle est de la maison. Attendez, je vais vous faire un petit sondage après. Vous allez me dire. Parce qu'après, je peux, hein. C'est deux time travel, c'est pas très long. Donc, c'est pas tous les bâtiments à bouger. J'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de place devant pour décorer. Attends, on va retourner voir Messera, t'as pas tort. T'as pas tort. On va y retourner. Salut Soussou, comment ça va? Bisous Shaima, plus tard si tu repasses. Ne vous inquiétez pas, c'est pas si grave mardi, j'étais juste à bout. Mais je suis prêt à la démarrer maintenant. Bah démarre-la bien, ouais. Coucou Lox, comment ça va? J'ai vu là que tu voulais jouer à Phasmo ce soir. Je suis chaud en vrai, moi, si tu veux. J'ai pas eu le temps de répondre encore parce que du coup, bah, j'ai pas fait un tour dans le serveur encore, mais je veux bien jouer à Phasmo, moi. Vers 22h! Pourquoi aussi tard? Après, bon, 22h, je suis là. Hein. Y'a fort moyen. Les nukes sont pris entre parenthèses. J'ai chaud à la main, péter des herbes. Bah, arrête d'avoir chaud à la main. Je sais pas. Ça va, Soussou, merci! Je vais être là, mais trop cool. J'aimerais trop pouvoir téter IRL. Genre, ma journée est finie, on passe à samedi. On recule quand t'arrives au dimanche soir. Hop, samedi matin. 22h, il y a Avatar, sorry. Eh ben, super. Bref. Démarre là, te gêne pas. Ah, mais vraiment? Donc, te gêner, quoi. Hop. Alors. En vrai, ouais, je peux la décaler, la maison. Bon, attendez, on va la décaler. On va la reculer de 1. C'est vrai, peut-être qu'elle est un peu avancée. Je pourrais la reculer d'une case. Putain, je fais des allers-retours. Ça va, content d'être en week-end. C'était la semaine la plus stressante. C'est vrai? Pourquoi? À cause du taf? T'étais au taf cette semaine? C'était pas la semaine dernière où t'as eu tous tes gros oraux? Enfin, les oraux, les trucs, présentation et tout, là? Samedi 29, je me mets devant la télé, d'ailleurs. Il y a quoi devant la télé? Bah, c'est pas là. Zoro? Il y a Zoro? Comment ça, il y a Zoro? Ah, et d'autres understand en fait! J'avais pas vu Linux. Enfin, Lolo il a remis le message, j'avais pas vu tout à l'heure là. Ah oui, d'accord. Je me demandais, est-ce que je me demandais si Lolo il regardait ça? Moi je savais pas qu'il regardait ça. Ma maison. D'assistance. Ma journée était trop pourrie par les gosses. Clairement, j'ai dû hurler pour qu'ils arrêtent de courir partout. Ils nous aspergeaient avec leur. Bah ça y est, mais c'est quoi leur problème à eux là? Vous êtes pour qui dans Dalcy? Moi j'avoue, coup de cœur pour Bagheera. Mais bon, voilà, c'est vrai qu'à côté t'as Natou, Gaël surtout. Moi, je sais que Gaël, elle est trop forte, mais j'avoue que j'ai une préférence pour Natou. C'est quelqu'un que j'adore depuis très longtemps. Mais Bagheera, elle était super jolie, quoi. Elle s'est donnée, franchement. Mais Gaël, elle est danseuse, c'est une menteuse. Elle est trop forte. Mais là, Gaël, elle s'était cassée la côte, hein. Elle s'était cassée la côte, la pauvre. Donc j'espère que ça ira mieux quand même d'ici... Allez, ma maison, là, je galère. Oh là là. Je veux déménager. C'est la victoire facile alors que les progrès n'ont tous... Ouais, c'est ça, en fait. En fait, c'est ça. Gaëlle, en fait, t'as l'impression que... Elle a ça dans le sang, tu vois. Donc il n'y a pas vraiment d'effort à fournir. Elle est juste trop forte, tu vois. C'est une showgirl, hein. Elle apprend vachement vite, je trouve. Et tout. Enfin, elle est très forte, faut pas se mentir. Elle est super forte et elle danse extrêmement bien. Honnêtement... Tu me parles de compétences, juste d'une presta, Gaëlle, top 1. Mais c'est vrai que Natou, par contre, elle apprend vite et elle se surpasse. Et surtout, elle est, comme elle avait expliqué, elle était super stressée et tout. Bah non, faut pas que je la mette là, faut que je la décale là-bas. Elle était super stressée et mine de rien, ça s'est pas du tout vu et elle a géré, quoi, tu vois. Et je trouve qu'il y a plus de progrès, en tout cas, du côté de Natou que du côté de Gaëlle, qui est déjà très talentueuse, tu vois. C'est plus ça, quoi. Sont plus humaines. Oui, c'est vrai. Domingo, ouais. En vrai, moi, Domingo, ça me fait franchement kiffer de le voir danser.
Je m'attendais pas honnêtement à voir ça. Et je suis trop impressionnée en fait. De voir ce que je vois. Ça surprend tout le monde parce que personne n'imagine. Ah mais vraiment, Gab. Enfin, non, en vrai, moi, Natou, je me suis jamais dit qu'elle allait mal danser, en vrai. Mais c'est vrai qu'elle elle a une grâce quand elle danse, genre là, la semaine dernière. Oh là 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 là, comment elle nous a... Fou. T'as activé mon série, c'est vrai? Oh non, désolé. Attends, tu m'avais répondu, Lox, d'ailleurs. Ton truc cette semaine, comité de projet, presse devant le comité de direction, interview pour mon mémoire après... Ah ouais, fou, ça c'est horrible. Partiel en géopolitique, plein de rapports à faire, je finissais chaque jour lessivé, j'ai plus la force de... Ah bah tu m'étonnes. Mais ça va, du coup, la semaine est finie. Yes! On va pouvoir se détendre ce soir. On va hurler sur Phasmo. Ouais, vraiment, Lolo. Bagheera, ça m'a fait mal au cœur si les scènes, ouais. En fait, honnêtement, celle qui me touche le plus, littéralement, c'est Bagheera. Hein. Parce que c'est comme elle l'explique, elle, c'est vraiment, tu vois, un problème entre guillemets avec son corps et enfin, tout un truc, toute une histoire vraiment par rapport à elle-même, tu vois. Natou, en soi, c'est pareil parce qu'elle a vraiment. Il y a vraiment un truc qui est touchant avec elle, je trouve. Domingo aussi, parce que c'est pour son mariage. Tu vois, genre, Gaëlle... elle est juste trop forte, quoi. Elle est juste trop forte. Enfin, elle est forte, hein, purée. Elle danse vraiment bien. Pour des cours. C'est vrai, ça, c'est incroyable, par contre. Mais c'est vrai que, par contre, vraiment, la danse... Franchement, j'aurais été bercée dans la danse plus petite, j'aurais kiffé, quoi. J'aurais kiffé, je pense. Ah, il s'est cassé un orteil, putain, ouais, chiant. Par contre, ça m'a super étonné la dernière presta, genre la musique, le choix de la musique et tout. J'ai adoré Dalsy, oui, Manelza. Oui, oui, oui. Moi, Dals, en vrai, de base, Dals, j'en ai rien à foutre. Genre, franchement, toutes les stars qui passent dans Dals, je m'en carre le fiac pour être poli, quoi. Genre, c'est vraiment pas du tout le... Enfin, le genre d'émission que je regarde, même si j'aime beaucoup tout ce qui est danse et tout. C'est pas des personnalités publiques qui me touchent moi personnellement, tu vois. Tant qu'il n'y a pas Laurie qui danse avec les stars. Bref. Allez, on va reprendre le truc. Faut que je te montre mon émission, bref. World of Dance. Mais oui, tu m'en as parlé. Et salut, Belia Ruby, comment tu vas? Alors, ma maison. On fait vite. Vraiment, Dallas, c'est nul de base. Mais... Bah non, c'est pas nul en vrai, c'est cool, tu vois. Mais là, le fait que ce soit avec des gens que nous, on connaît, parce que nous, on est... Après, oui, j'avoue Kayona par contre, ça, ok. C'est vrai qu'il y a Kayona qui passe aussi. Christina Cordula, ce trémoussé qui cala. Bah, j'ai pas envie de la regarder danser, perso. C'est marrant, en vrai, c'est marrant parce que tu dis Christina Cordula. Mais Christina Cordula, tu vois, je doute même pas une seule seconde qu'elle danse bien. Je me dis, c'est une meuf qui doit grave bien danser. Non, elle danse pas bien. Je sais pas si en fait, il y a eu des trucs et tout qui sont passés. Allez, parlons maison là, dépêche-toi. Les danses de personnes qui participent, je... Ouais, en vrai, j'avoue, ouais. Je trouve ça en fait, moi, je trouve ça sympa de voir le procédé. J'ai regardé genre Dals une seule fois dans toute ma vie entière, et encore, j'ai vu 3 épisodes, quoi. Mais j'avais pas plus accroché que ça, tu vois, enfin... J'ai pas vraiment accroché. Et là, le fait vraiment que ce soit que des personnalités d'Internet avec lesquelles moi, j'ai grandi, parce que moi, j'ai pas grandi avec la culture ciné, film, tout ça. J'ai aucune culture sur... sur les gens, genre... Enfin, tu vois, je connais deux noms. Genre, Inès Reg, je connais deux noms. Je m'en fous de la voir danser, quoi. Genre, c'est pas la star que je vais voir danser. Je préférerais voir danser Squeezie, tu vois. Putain, je galère, là. Allez, hop. Salut, Nick, comment ça va? Allez, c'est parti. Hop. Dernière émission de télé que je regarde encore. Là, sur Internet, je suis ultra fan. Moi, j'adore. J'espère qu'il y en aura d'autres versions, hein. Inès Reg, elle danse bien, ok. Meilleure émission, pref de... Mais meilleure... Une des meilleures... Ah, perf. Bref, j'avais lu. Sur World of Dance. Tu peux me le mettre sur le Discord, le Linux, j'irai regarder après. Ça m'intéresse en vrai. Je m'en foutrais si lui dansait, par exemple. Ah ouais? Perdo. Moi, j'avoue que Squeezie, par contre, s'il danse, je suis aux premières loges. Je demande à y aller, hein. Genre, franchement, je serais trop... Bah, ça me ferait trop kiffer de voir Squeezie danser. C'est vrai que Squeezie, tu vois, c'est quelqu'un que genre je regarde depuis que j'ai genre 12 ans. 13 ans peut-être, tu vois. 14 grand max. Et je trouve ça fou d'aller voir danser comme ça. Non, Gab, en vrai, un peu osef. Ouais, j'ai vu, il y a eu un bad buzz sur Inès Reg. Apparemment, elle a balancé des menaces de mort à... Comment elle s'appelle
Oh, je sais même plus son nom. Non, parce que c'est grave embrouillé dans les coulisses et tout. En mode, c'est de la télé-réalité, tu sais, le truc. C'est bleu, ça, ou c'est... Mais pourquoi il y a... Pourquoi il y a des randoms, là, qui s'installent ici, là? Natacha Saint-Pierre, ah oui, c'est ça. T'as mes dire, je te montrerai la sélection si tu veux. Non, c'est pas Kayona, c'est pas embrouillé avec Kayona, si. Il y a eu un truc avec Kayona, si. My god, il y a tellement de trucs. Des dramas, là. Mais Kayona, elle doit d'être ça de ouf, non? Ça m'étonnerait même pas, quoi. Je vais poser avec elle pour mon image. Ça va pas ou quoi? Ça va pas, hein? Et Dog Day? Dog Day, c'est quoi? C'est le jour du chien? Traduit littéralement. Hop. Elle retourne le parquet Kayona. Il faut que je regarde. Et on peut voir où les extraits du genre de Kayona qui danse? Je veux trop voir, moi, en fait. Elle doit giga d'être ça, en fait. Ah, je connais pas du tout ça. Si, si, y'a. Ah, cool. My téléphone ou YouTube, je crois. Ok. Je vais trop voir. Kayona, j'avoue, c'est vraiment... Pour seul intérêt. Et ça, moi, ça me dit rien du tout. Je sais pas, Théo. Choisis comme tu veux, ce que tu préfères. Je peux pas te dire de choisir l'un ou l'autre. C'est selon ce que toi, tu veux. Oui, c'est assez personnel comme choix, je trouve. Après, je trouve que bon, Dog Day, ça fait le jour du chien. Je trouve que c'est peut-être mieux Nevermore dans ce sens-là, mais... Après, c'est pas mon île, tu vois. On se fera des sessions de danse... Ah, mais avec grand plaisir. J'adorais regarder, par contre, vous savez, les studios de danse, là, quand j'étais petite. Comment il s'appelait, là? Il y avait un mec américain qui était chorégraphe et qui faisait des trucs comme ça, qui étaient incroyables. Ah oui, c'est Drag Race, Lolo. Enfin, franchement, Lolo, je pense que tu kifferais Drag Race, en vrai. Je pense que ça te parlerait un peu, quand même. Ouais, t'as vu, Marine, ça avance, hein. Fait danser avec les stars. Oui, bah c'est pour ça qu'on en parle, Charisme, justement. On parle de ça, justement, de Kayona qui fait danser avec les stars, ouais, ouais. Un épisode, ça m'a suffi de... Ah ouais, c'est vrai. Mais Lolo, franchement, c'est incroyable, Drag Race. Je suis étonnée, tu vois. Bec décalage, je crois. Ah, ah c'est possible, en vrai, Vanessa. C'est possible, c'est possible. Ben là, dis-toi, je viens de lire ton message pile quand tu l'as mis. Genre à une seconde après que tu l'as mis. Ouais, c'est un peu mieux la maison, un peu plus reculée comme ça. Ok, on va placer les motifs. Regarde... Ah oui, mais regarde les épisodes français, ouais. T'as regardé... T'as pas regardé les français? Moi, les autres pays, on a regardé avec Linux, j'ai beaucoup moins... Mais vraiment beaucoup, beaucoup moins accroché, hein. Je trouve ça moins bien que la saison française. En vrai, pour être honnête. Salut Enzam, comment ça va? Franchement, la saison française, elle est vraiment mieux, hein. Honnêtement, Enfin, franchement, il y a même littéralement pas photo, je trouve. Ça n'a vraiment rien à voir. Ça passe, là? Ça va être complexe. Je sais pas, je comprends pas comment je dois mettre mes motifs. Léo, merci pour ton deuxième mois, merci beaucoup. Merci, merci. Puis même tu t'attaches plus au... Ouais, de fou, je trouve. Hein. Le fait qu'elle soit française et tout, puis qu'elle soit vraiment bienveillante par rapport aux US, elle est en train de se taper dans les jambes et tout, là. Oui, on a quelques fois, tu vois, il y a quelques passages où ça se tire dessus un peu, mais c'est beaucoup moins que la saison, en tout cas, que j'ai vue avec Nikki. Comment tu vas, Léouche? Tu vas bien? Comment ça va? Ça a été ta journée?
Ça a été votre journée là pour toutes les personnes qui débarquent d'ailleurs au passage. Globalement. Hop. Alors, comment on va faire? Peut-être qu'on va y aller à la main en fait. Non, en fait, en bas, là, j'aimerais bien mettre un autre truc. Mais j'ai pas envie que ça fasse un truc moche. Oh, Lolo, c'est terrible. Je suis cassée en deux aujourd'hui, comme toutes les fins de semaine. Vivement le week-end, finalement. Heureusement qu'il y a le week-end dans la semaine, parce que vraiment, à l'aide. Au secours, même, je dirais. C'est pas du tout là que je voulais mettre. C'était ça. Oh là là, c'est vraiment galère, là. Je voulais mettre ça. Comme ça. Ok, là j'arrive à peu près à voir. Je galère à mettre les motifs comme ça. Hein. Je peux pas faire des trucs tout droits parce que je trouve ça un peu moche quand les chemins ils sont tout droits. Je trouve ça vachement moche quand c'est tout droit et tout linéaire là, les chemins qui sont censés être un peu plus arrondis. Et là je vais faire tac. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Je voulais mettre un angle ici. Ok, on refait. Salut Pépère! Depuis la discussion Discord? Quelle discussion Discord? Je m'en souviens pas si on a discuté sur Discord. T'es sûr que c'était moi? Ouais, si on fait un peu plus large ici. Hop. Ok. On va mettre juste les angles en fait, je pense que ça va nous aider. Let's garden. Ben, je me souviens pas de discussion. Enfin, je me souviens pas d'une discussion en particulière, quoi. J'avoue que, honnêtement, pour être honnête, je capte pas avec qui je discute forcément, tu vois, sur le serveur. Je me rappelle pas de tout le monde ou quoi. Hein. Je galère déjà à rappeler des noms des viewers. Genre, tu sais, je parle avec vous peut-être, mais je capte pas forcément que je parle avec toi en particulier, tu vois. C'est très fortement probable. Je voulais mettre ça. On va faire ça. Un piment. Ça fait un piment que j'ai pas parlé sur Discord. Un piment, Lolo. Oh, purée, tu mets grave des piments partout, toi. Hein. Un piment. Merde. Je galère avec ces motifs comme ça. Là, ça me plaît pas. Il faut qu'il y ait un twist ici. Voilà. Comme ça. Ton emoji piment. Hop. Hop. Comme ça. C'est Mimi. Salut Xenomorph, comment tu vas? Hop, et là on va faire en sorte que ce soit pareil, un peu slay. Si je peux faire ça, peut-être.
Ah oui, de fou, Hugo, hein, je fais jamais ça. Hein. Là, en fait, je vais faire un thème fleuri, donc faut que je parte un peu sur du naturel, mais je veux pas que ce soit du naturel, genre. Ce sera pas du naturel comme je l'entends avec, tu sais, genre tous les motifs archi-naturels. Ce sera pas ce type de truc-là, mais c'est quand même pas de l'urbain, quoi, ce que je vais faire. Donc ça va changer, ça c'est sûr. Ok, juste comment je dois mettre mes motifs. Rushima ! Quelle heure il est ? Je commence à avoir vraiment faim. En même temps, midi, je peux manger un truc qui me tenait trop au ventre. Hop ! Là, j'aurais peut-être bien vu un motif qui part un peu plus haut quand même. J'aurais bien vu genre le motif qui fait que t'arrives ici, t'es obligé de faire ça, genre. Contourner entre guillemets, tu vois. Qui l'eût cru qu'un jour tu ferais du naturel? C'est pas vraiment du naturel, c'est pour ça que je le fais, sinon je le ferais pas. La meuf a vraiment un putain de problème avec le thème naturel, genre. Oh my god. Mais ça va, il est même pas 19h encore. Ça va pourtant, pourquoi j'ai faim comme ça? Alors, comment on va placer ça? Comme ça. Ah non. En fait, ici, je pense qu'il faudrait qu'il y ait un truc. Ok, je crois que j'ai. Je peux les placer à la main. La fatigue, maybe, tu penses? Ouais, en vrai, c'est faisable. Enfin, c'est faisable, c'est possible. Oh. Ok. Alors là. Ça va être plus particulier, ça, je crois. Ça va, non, comme ça? Je sais pas si c'est un peu bizarre qu'il y ait un seul truc. Non, en vrai, ça passe. Par contre, en haut, là, on n'est pas obligé vraiment de mettre ça. On peut mettre des... on peut arrondir plus court, en fait. Non, ça va, en vrai? Ok, parfait, alors. Ça va être HS. Hier, j'ai fini de bosser à 19h30 et j'ai commencé... Oh, c'est dur, putain. Ça va pas mieux, Zabou, en ce moment, le taf, là? C'est pas moins chiant, y a pas plus... Enfin, y a pas moins de... de problèmes entre guillemets. Je pense qu'on peut un petit peu allonger. On va remettre le sol comme ça. Non, oh là là, l'enfer quoi. Et pourtant ça avait l'air d'aller à un moment donné là. Tout de même. J'ai le souvenir qu'il y avait un moment où ça se passait plutôt, enfin globalement, pas bien mais ok quoi. Enfin, tu t'en plaignais pas spécialement, tu vois. C'est pas ça qu'il faut que je mette, là. Mais là, je peux rien mettre, ici. On va tester. Psi ! Psi ! Pardon. Non, pas de troisième. Salut Lala, comment tu vas ? Le boulot, j'arrive tard sur les streams, t'inquiète, hein, y'a pas de soucis, t'arrives quand tu peux. Ça a été ta journée ? Ah, désolée, je vous éternue dessus, là. Là, c'est ça. Putain, ils sont vraiment galères, les petits motifs. Oh non. Je les ai inversés. Merci, merci. Psy, psy. Psychologue, psychologue. Allô. Ok. Ça me paraît plutôt cool, là. J'aime bien ce chemin. Qu'on contourne comme ça. Là, je pense qu'en fait, on peut peut-être aussi réduire. Comme ça. Salut Alice, c'est mon île Mirabel. Si tu veux, t'as le message en épinglé qui t'explique un peu. Et Linux qui t'a remis aussi le... la commande, si jamais.
c'est pas du tout... je me suis carrément trompée de motif, là. Ma grande. Une émote so coquette. Pitié, je vais demander de faire une émote so coquette. Un peu large, ouais. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Ici, là, c'était trop droit. Comme ça. Là, on peut faire ça. Plutôt. C'était peut-être trop fin, là. Puis il y avait déjà le tout fin en haut. Mais comme ça, là, c'est pas mal. Ah bien, du coup, on a le même problème ici. Bon, bah écoutez, on va faire avec ça, hein. On va faire avec. Pour mon taf, on est 4 au support, plus... Pour plus de 100 clients, à un moment. On se trouve saturé de demandes. Donc bon, difficile à gérer, ouais, tu m'étonnes. Oh putain, j'ai oublié qu'elle était si belle, cette maison. J'espère que vos yeux n'ont pas trop mal en les regardant. Azalée rose, azalée blanche, je vais prendre des pêches. Des petites poires. Petite noix de coco, allez, on peut planter ça. C'est fou en vrai que vous soyez que si peu. Il n'y a pas possibilité de recruter quelqu'un pour vous aider, genre. Ils sont très mal, par pitié, éteins la lumière. Il n'y a pas à me triquiter comme ça. Ça va pas ou quoi? Faut que je remette ma boîte aux lettres. Misquine la peau. Moi je peux la mettre là, non? Ouais, ça le fait, pourquoi pas. Alors, ah mais j'ai pas pris le truc de sable. Oh là là, faut que j'aille chercher. Hop, ça tourne. Ici, c'est un peu droit. Ici, on peut faire un truc comme ça, plus arrondi. Je vais chercher le truc de sable et après je regarde ça parce que là... On peut faire un espèce de mini rond-point là. C'est très très mal, les commandes de communication c'est atroce. Ah ouais d'accord. Benoboché, un des quatre supports. Ah. Ok. Je vais m'en inspirer pour ma maison IRL, alors attention aux yeux, ça peut piquer. Hein. C'est là. Pas besoin de me dire allô hein. C'est pas très... pas très poli. Bah il est comme chez toi, je suppose. Il est 18h55. J'aime pas trop qu'on me dise allô, genre je trouve ça un peu... Allô ? Oh ! Je le prends un peu comme ça, si je peux me permettre. J'ai des souvenirs dans ça. Alors, ce repoint-là, on n'est pas obligé d'en parler. Ce rock-point-là... J'irai à la même heure, à vous, la phrase... la phrase sortie de je sais pas où. Pour dire salut. Ouais, mais j'ai déjà dit bonjour à cette personne. C'est pour ça que je trouve ça un petit peu bizarre. Mais c'est vrai, faites gaffe parce que... Eh, mais ça, c'est bien de le préciser. Et mine de rien, si vous êtes pas... genre, si vous êtes pas genre de France et que vous êtes genre, je sais pas, du Québec ou quoi, il y a des expressions, genre au Québec par exemple, genre dire c'est écœurant, ça veut dire c'est succulent, genre c'est super bon. En France, tu dis c'est écœurant à quelqu'un, il va te dire, bah, ça veut dire littéralement c'est dégueulasse, tu vois. Donc il y a des mots que genre, qui sont pas les mêmes, qui ont pas les mêmes fonds, et des fois, bah, je sais pas, genre là par exemple, si le halo était tourné en mode bonjour, bah moi je l'entends pas du tout comme ça, parce que moi tu me dis pas halo pour me dire bonjour, tu me dis hello, tu me dis salut, tu vois. Donc faites attention à ça parce que des fois c'est... Ça peut être un peu dérangeant à certains moments, tu vois. Genre je peux mal interpréter ce que vous me dites ou inversement. Adaptez-vous un petit peu. Bon après si c'est vraiment un truc que tu dis tous les jours, bon voilà mais... Faire attention quoi. Ok, alors...
Ensuite, par là-dedans. Je peux faire ça. Faut que j'arrive à prendre large, en fait, de l'autre côté. Non, là, faudrait que je fasse ça. Et limite, en fait, attendez, je peux même le décaler, là. Carrément. Ils sont peut-être un peu loin, mais on peut peut-être essayer de faire un truc. Je pense qu'on pourrait même... Ah, on peut partir comme ça. Hop. Alors, plus haut, je pense. Donc ici. Attendez, on va remplir parce que là, c'est vraiment... c'est vraiment aléatoire le truc, là. Alors, hop, comme ça. On va mettre les côtés en bas. Non, pas ici. Les petits sushis là, j'avoue que ça fait un moment que je n'ai pas mangé. C'est pas évident. Là, il y a beaucoup d'infos là. Je suis un peu perdue si je peux me permettre. Ça là, je suis moins sûre. Je vais remplir avec celui-là. Donc là, il y en a deux. Il y en a un là. Ici aussi. Ensuite, on peut remettre. Attendez, je suis désolée, je suis un peu concentrée. Non, pas ça. Là, on peut remettre un coin. Enfin, un coin, un bord, justement. Hop. J'ai plus faim, c'est vrai, Lali? Oh my god, moi je pourrais m'en enfiler une vingtaine là. Au moins. Minimum. J'avoue comment les sushis c'est une histoire d'amour. Une histoire d'amour. Ah, c'est pas encore le touche-pied là. Je me suis fait pranker par le chat. J'ai failli toucher mon pied. C'est une galère là ce motif. Purée, je comprends pourquoi il y en a des fois ils me disent putain je galère avec mes motifs. Je comprends bien si vous faites des motifs comme ça. Mais c'est beaucoup plus joli que des motifs tout droit. Ça par contre, il n'y a pas photo. Il faut dire ce qui est. Si j'avais fait un chemin tout droit là, ça aurait été dégueu. C'est bien qu'il y ait une petite variante comme ça. Alors c'est pas ici. Vive le woke, vraiment. Salut Lovely, comment tu vas? Merci pour le... Ah, boire. Merci beaucoup. C'est pas mal comme ça, le chemin, là. J'aime bien. Comme ça, ici, on pourrait mettre des trucs. Enfin, genre des arbres et tout. Quitte à ici même peut-être rajouter juste un petit bout, parce que là, ça fait peut-être un petit peu trop étroit. Mais là, j'aime bien. Comme ça, ça prend forme. Enfin, je place 2-3 petits motifs. C'est cool. Hop, comme ça, regardez. Hop, c'est mieux. Là, on monte. Tac, tac, tac. C'est cute en vrai, là. Ouais, j'aime bien. Alors, ici, c'est clairement
une pousse de buisson. Ici également. Là, j'ai besoin de mettre un arbre, c'est nécessitaire. Nécessitaire ? C'est pas le mot que je cherchais. Je fais un petit rond-point, quoi. Un petit rond-point. Là, je vais mettre un palmier. Je pense que ça a sa place, en vrai, un petit buisson en fleurs. Là, ça va être que... Ouais, de ouf. Je suis dans le live. Je mets de l'ambiance. Schéma, elle force jusqu'au bout de la night. Purée, c'est pas moi qui l'ai dit. Hein. Ah, les super nunuches, elles ont dit ça. Choquée. Je savais pas que Schéma, elle forçait jusqu'au bout de la night, mais bon, je la prends. Comme tout le monde. Non, je force pas, bah je sais pas, Shima apparemment. Jusqu'au bout de la night en plus, hein. C'est chaud, hein, franchement c'est chaud. Shima qui se fait... un peu d'aronède. Bande de zinzoliens, de la zinzolie, de sur zinzotère. Oh, c'est pas possible. Sur la zinzotère. Mais dites pas SVP, désolé, désolé. Ah, petit loto qui a été lancé, c'est parti. N'hésitez pas à voter pour le loto, à miser le chiffre de votre choix. Je me tâte parce qu'en fait, là, je peux mettre un arbre, ici. Non, pas mettre d'arbre. Par contre, ici, on peut mettre un arbre. On peut mettre un palmier, là. Je pense que ça peut le faire. Et on va têter pour voir comment ça rend après, ok? Ici, pêchier, là on va mettre un buisson, comme ça. Je vous laisse voter, n'hésitez pas à miser, miser nombreux. Trop louche la fille, miser nombreux. Salut Miu, merci pour ton follow. Alors on a un arbre ici, là en vrai il y a une nécessité de mettre un buisson je pense. Misez! Bien dit, et vous, j'aurais pas dit mieux, franchement. Bien dit, bien dit. Là, ça ferait bizarre, non? Après, en vrai, on peut déjà commencer. Salut Elfie, salut Brézy. Ouais, il est cool en vrai, je l'aime bien. Bon là, il fait peut-être un petit peu très blanchâtre sur le sol. J'ai un petit doute. Salut Valentine. Ah non, c'était cette Valentine là qui avait resub. C'est toi qui as resub hier, Valentine. Ça, il y a deux Valentines alors. Oh, c'est grave possible que je vous confonde alors. Oh là là, je suis perdue. Vous m'avez perdue à être trop slay. Ah mais j'ai plus de buisson, merde. Aïe aïe aïe, oublie pas tes miles. Oui, c'est vrai. Oui, c'est moi. Ah, c'était toi, alors. C'est bien ce que je me disais, il y avait des tirés du bas. Oh, la vache. J'ai pas planté d'herbe ou quoi, là? C'est quoi, cette histoire? Salut, moi, je sais pas. T'as l'air de bien savoir, aujourd'hui, comment ça va? Est-ce que vous êtes so coquette? Aujourd'hui? J'espère que oui. C'est quoi, ça? Ah, c'est pour les 20 plantés? Oh, slay. Ça va, merci. Si coquette même. Ah, si coquette. Purée. J'ai pas mal de maïs là en vrai, c'est plutôt cool. Ok, alors je vais aller chercher quelques fleurs. Déjà, ouais. C'est pas par là par contre. Comme d'habitude, normal, normal. N'hésitez pas à miser pour la prédiction qui est en cours si jamais il y en a une qui est disponible. Elle dure encore... De toute façon, vous avez la prédiction littéralement à l'écran. Vous pouvez pas ne pas la voir, elle est vraiment affichée à l'écran pendant 10 minutes. Donc pensez-y, essayez d'équilibrer un petit peu là, vous voyez, genre le 2. Il est tout petit, le 9 aussi. Essayez d'équilibrer que chaque barre fasse la même taille à peu près. L'autre fois, je me suis fait une tonne de points, j'ai 104 000. Je prédis au loto de base, j'avais 109 000. Je me suis fait une tonne de points.
Ah oui, de... ok, d'accord. Aujourd'hui, de base, je me disais, bah alors, du coup, t'as perdu, je comprenais pas le... Mais ce n'est pas ce qui est... ce n'est pas ce qui a été dit. My bad, my bad. Bientôt le retour d'Albin. Non. Je veux ne pas, je veux pas en entendre parler. Pas ça sur mon live. On est tous so coquettes au fond de nous. Mais bien sûr, Alice, ça c'est vraiment bien dit. Ça c'est vraiment bien dit, franchement. Merci pour tes paroles. Merci pour tes paroles. Coquette way of life. Moi aussi, je veux gagner au loto. Bah, gagne bien. Pas de soucis. Le 5, là, il est très dominant, quand même. N'hésitez pas à voter 2, à voter 9, 8, 1 aussi. C'est là où vous avez le plus de chances de gagner beaucoup de points de chaîne. C'est surtout pour ça que je vous invite à miser là. Allez, soyons fox. J'ai déjà Albin. Ah bah, ma pauvre. Je te plains, franchement. Je te plains. Merci Nina pour ton follow, bienvenue à toi. Alors. Ah merde. Ouais, je pensais pas que ça serait aussi loin. Ok, bon. Si coquette, hein, dans tous les cas. Hop. Il vient le combien alors là, tu me fous une colle. J'avoue que je sais plus le combien il vient. Coquette, j'aurais... Elle est une fille coquette, c'est super chou de l'avoir dans la classe. Tu t'appelles quoi par coquette? Moi, coquette, c'est vraiment genre un peu en mode... Enfin, je le vois grave en mode... Enfin, pas enfantin, mais un petit peu. En mode les petits nœuds papillons, un peu de rose, un petit peu de blush, un petit peu de gloss. Un truc comme ça. Ah, Nico, tu t'es trompé de mot, je crois que tu t'es trompé là. Casse-toi la punaise là. Vous entendez quoi par coquette, vous? Qu'est-ce que vous entendez par ce mot? Première avril cette année. Je crois que... Non. Je crois que cette... Alors, c'est cette année, je crois, je sais plus... Non, c'était l'année dernière. Je sais plus, je crois que c'est fin mars, non? Croquette. Ah. Bah, c'est sympa, Nico. Ouais, c'est le 31 mars, c'est ça, hein. C'est pas au mois d'avril cette année. Quelqu'un qui prend soin d'elle, qui adore le maquillage. Ok. Elle s'habille en hyper mignon, dans des couleurs rosées. Ses make-up sont hyper chauds. Comment hyper clean. Mignonne. Bref. Ouais, ok, je vois ce que tu veux dire. Ok. So coquette alors. Quelqu'un comme ça. C'est vrai que c'est super coquette même. Une coquette, c'est aussi une girl's girl. C'est quoi une girl's girl? Le mot coquette, vraiment, il me fait mourir de rire. Il est super drôle et mignon, genre. Je trouve trop mignon. Pour le dimanche de Pâques. Ah bah, peut-être, ouais. Une fille-fille. C'est ce que j'ai compris aussi. Je suis translate. Ah, bien sûr, merci. Une bien girly. Une bien girly. Ok, ouais, si vous le dites. Je vois, je vois. Quelqu'un qui a un dauphin en résine rose avec des paillettes géantes. Ah. Ok. Une fille qui soutient les filles. Toutes les filles soutiennent les filles, non? Pourquoi que vous me direz non, pas vraiment. Pas vraiment, en fait. Il y a des gigazinzines qui existent, mais bon, bref. La zinzinerie, de toute façon. Vous savez ce que c'est. Il faut vraiment des roses. Des fleurs roses là, c'est un peu terrible qu'il n'y en a pas comme ça. Il y a des filles à la poubelle, on se soutient mais non. On se soutient mais non. À la poubelle? En mode bye. La poubelle. Putain, carrément la poubelle, quoi.
The dustbin, the trash. Elles sont pas coquettes celles-là, moi je vous le dis. C'est un peu mimes comme ça. J'ai plus de... Faudrait qu'on time travel. J'ai plus de... d'arrosoir sur moi, je l'ai cassé. Mais est-ce que j'en ai encore dans mon inventaire? Pas vraiment, effectivement. Une fois, une fille avait posté sur Instagram où elle disait « J'aimerais sortir dehors sans avoir peur, SVP. » Il y a plein de commentaires qui disaient « Commence par bien t'habiller. Le rapport. Buisson. Ah, j'ai des arrosoirs. Buisson, j'en ai plus. Je voulais des buissons, mais j'en ai plus. J'ai plus de clôture non plus. Faudrait que j'en craft. C'est moche, cette maison, Burke. Merci d'être honnête. Eh, vous savez, on peut faire un truc. Attendez, on peut faire un truc pour cacher l'horribilité de ce que c'est. Lit camping. Arrêtez! Ma maison, elle est superbe. Allez, n'hésitez pas à miser pour le loto pour ceux qui n'ont pas misé. Il reste très peu de temps. Misez, là, vous pouvez miser sur 1, 2... 1, 2, 8, 9, en vrai, je vous conseille. Là, pour gagner un max de points. Ah, je peux pas faire ça? Un petit tapis rouge quand tu rentres. Vraiment, c'est trop moche. Bah alors, pourquoi ça n'a pas mis la lampe rouge? Bah c'est rouge là. Allez, 10 Siri. Donne-moi un nombre entre 1 et 10. Un nombre aléatoire entre 1 et 10 font 6. Et c'est le chiffre 6 qui gagne la prédiction. Slay Shema finalement qui avait misé 6. Ils ont misé leur vie, bah ça slay en même temps là. Ah c'est pas mal. OMG en fait. Pourquoi ça dit qu'il y a une nouvelle prédiction de lancer? Il n'y a pas de nouvelle prédiction de lancer, elle vient de se terminer. Attendez, je regarde. This is new. La should be. Francfort. Life is easy if you wear a smile. Bah pourquoi ça va faire ça? Yourself, don't ever change your style. Who are toi? I am moi, will be in Google. Je comprends pas pourquoi ça a fait ça. La chouille. Ça affiche le résultat. Bah ouais, mais je sais pas pourquoi ça a mis qu'il y avait... Enfin, mon compte a mis un message en mode ouais, nouvelle prédiction et tout. Alors que c'est fini pourtant. Mais mort. Oh non. Évidemment. Je vais fermer les volets. Pour plus de... Ah. Pour une ambiance. Vous savez qu'on pouvait faire ça? On peut fermer les volets. Il y en a plein qui savent pas ça. C'est tout con, mais... Voilà. Mais dans une ambiance... C'est très laid, hein. Ah, mais ça gâche tout à chaque fois. Ah non, c'est bon, fallait que je reclique. D'ambiance sous l'océan. Dans une ambiance pas coquette. Merci Nick pour le abois. Miaou, relolo. Allez, on va téter quand même. Ah non, faut qu'on arrose les fleurs, attendez. Bon, vraiment, mon super bel endroit de fleurs là. Arrosoir. Là, il faut que ce soit super coquette. C'est encore plus hideux. Mais c'était super, mais bref, t'as pas de goût, c'est pour ça. T'as pas de goût. J'étais partie manger. Ah, t'as bien mangé, c'était bon. L'extérieur, l'intérieur, vraiment, Odali. C'est terrible.
Après, on peut la rendre encore plus coquette, hein. Vous avez avancé les sauts coquettes. Ouais, on a avancé. Attendez, j'ai tété et puis on va voir comment ça rend. Tété. Moi, je dis ça comme ça. On va téter et puis on va voir comment ça rend. Le nom. Voilà. C'était bon, mais j'ai mal à ma dent de sagesse. Ah putain, ouais, c'est chiant. Tu vois, taille, taille, je vais taille, taille, exactement comme ça. Lopoti, taxe anglais là. Lopoti. Vous vous rappelez de Lopoticha. Lopoticha. Pourquoi tu laisses des trous? Bon, on s'en fout des trous, ils se rebouchent après. C'est juste que j'ai la flemme de les reboucher, hein. C'est tout, littéralement. Ma mère s'est trompée dans le nom de ma prof de suite. Ah non. Lopoticha était partout, hein. Mais qu'est-ce qu'elle fait là, celle-là? Va là-bas, en fait. Twitch, c'est plus coquette girl area extra esthétique. Qu'est-ce qu'elle me raconte? Zinzinette, va. Pardon? Ouais, va manger, là. Va souper, ouais. Va souper. Merci, Jessie, pour ton follow. À Renault Camping, en engagement, au secours. Je sais pas quel est ton pseudo sur TikTok. J'ai aucun nom pour lequel t'appeler. Mais à mon île, c'est Mirabelle, si jamais t'as pas suivi ou quoi. C'est mon île Mirabelle. Je fais un petit thème un peu fleuri dessus. Je viens de la commencer, là, on vient de terminer... Franchement, les gens qui regardent les lives TikTok... Bref, Mira Moche, arrêtez, elle est super belle. Je pensais qu'il y avait un nouveau tips. Ah non, du tout, du tout. Oh, ça se saurait, hein. Ça se saurait, ça se saurait. Nez... Ah, on le loupe pas, lui, hein. Touchez votre nez, le chat. On le loupe pas, ce nez-là. On l'a loupé tous les nez du live, là. Tu sais, je regarde que des vidéos esthétiques d'unboxing. Ah, mais moi, j'adore, Lolo, hein. Ah, d'iPhone, tu regardes? Non, moi, je regarde l'unboxing de tout. Touchez votre nez, touchez votre nez. L'émote est gratuite, si jamais. C'est une émote gratuite. Oh! Oh, ça a pas poussé, la merde. Évidemment, j'ai mis deux blancs à côté, quoi. Sinon, ça n'est pas du tout drôle. Par contre, j'aurais vraiment juré que ça aurait poussé. Je suis dégoûtée. Oh, so coquette, ça. So coquette. Là, il manque un arbre, ici. Ça poussera pas là. Tu trouves, Lolo? Attends, y'a juste deux palmiers. C'est les couleurs, je pense. Faudrait qu'on mette les bonnes couleurs de fleurs et tout. Mais c'est un peu mimi quand même, j'aime bien. Alors, comment on pourrait utiliser l'autre motif, par contre? Je sais pas trop comment je pourrais faire. Ah, vous savez ce qu'on peut faire, là? Faut que je prenne mon remodel, je crois. Heureux. Era girly pink très cute core, au secours, putain. Ouais, c'est mimi, en vrai. Bon, là, ça fait très tropical, hein, je suis un peu d'accord. Mais avec les meubles, ça fera moins, je pense. On va mettre des motifs et tout. Je vais essayer de fouiller un petit peu des motifs qui pourraient être sympas. Ah, je peux faire ça. Et ça. Pour meubler un peu le trou. Pas coquette, y a pas de nœud. Il faut que je mette des nœuds. Faut que je mette des petits nœuds pour que ce soit coquette. Ouais, je sais, je sais. Après, bon, là, j'ai encore pas grand-chose comme meuble. Voilà, je mets des meubles. Alors, en meuble, je pense qu'il y aura... Il y aura des trucs... En fait, ma maison, déjà, elle sera rose. Il y aura des petites... Des petites clôtures en treillis blanche et tout. Faudrait qu'on mette des dalles, mais je sais pas comment je les mettrais. C'est bon maintenant. Onyx. Ça manque de rose. En effet, faut que je change ma maison. Ben non, on va changer ma maison. Je crois que je peux la changer là. On va la mettre en rose. Ça fera dire moins. Ça te fera plus coquette. Et moins tropicale. Bah ouais, Kiara, c'est écrit dans le message épinglé.
Vous ne lisez donc pas? C'est fou ces histoires. Le message épinglé, c'est le premier truc que vous êtes censé lire quand vous arrivez sur le live, donc vous êtes censé savoir. Je suis sûre avec une fontaine à breuvoir, ça va se layer. Ah, tu penses? Faudrait qu'on teste en vrai. Attendez, alors, qu'est-ce que je voulais faire? Changer ma maison. Hop. Je vais la faire coquetter en rose, vous allez voir. Elle va bien coquetter comme ça. Le mot coquette, je vous jure. Je me tape Henri en habitant chic. Ça va, Henri, franchement, il y a pire. Sur le rond-point. Ah ouais, j'avoue, ça pourrait être grave, Mims. J'ai pas le craft encore, par contre, faut que je le fasse. À propos de ma maison. Mais qui lit, voyons? Bah, c'est bien la question que je me pose, la bouffe, malheureusement. Ça, je comprends pas le délire avec la gourde là à 45$. Elle est pas si belle que ça, enfin, genre, c'est une gourde, quoi. Ah, mais je peux pas encore tout personnaliser, c'est une blague. Bon, tant pis. Par contre, il est déjà 19h23, moi je commence à avoir faim là, ça fait déjà 3h20 qu'on stream. Mon clavier, il parle allemand. J'aime gros. Ah oui! Le S allemand. L'Erika encore. Les Amerlocs. C'est trop. Utiliser le DAC. Les Amerlocs, il a dit. Ah, mais j'ai pas demandé d'agrandir, je vais me frapper. Voilà quoi. Mes petits coquetiens et coquetiennes. Coquetien et coquetienne ou coquetienne et coquetien? Faut dire coquet ou coq? Je sais pas comment le dire. Bisous Gab! De toute façon, je vais pas tarder à arrêter non plus. Allez. On va juste agrandir. Et normalement, la prochaine fois seulement. Coquette le live de fou. En mode coquette latte. Je vais pleurer de rire. Oubliez pas de rester coquette, tout à fait. C'est passé vite en vrai, ouais, franchement, ça va. C'est passé vite. Bon, on verra la prochaine fois, mais du coup, franchement, on a bien avancé là.